Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite bien à vous, bien à tous, surtout une bonne année et meilleurs vœux et bonne santé et bon courage pour suivre mes lives audio. Et donc pour ce soir, donc on va retourner sur des lives un peu classiques, NewsTech, et après en fin de live bien évidemment de l'audio. Et pour la partie tech et CES, on va être, enfin je vais être avec donc Rudy qui est présent. Donc bonsoir Rudy, Salut tout comment vas-tu? le monde. Très très bien. Bonne année tout le monde. Meilleurs vœux. Que Voilà. ça soit bonne pour vous, blablabla, tout ça, et que vous ayez une bonne santé, pas mal d'argent et qu'on vous en prenne pas trop. Surtout pour votre retraite. Non mais c'est vrai que ça va un peu mal, mais bon, nous on va bien, tout va bien, on va parler tech, on va s'amuser un petit peu, on va se détendre. Ouais. Donc, alors déjà il y a ça, et j'ai aussi donc Mathieu de chez Rester Connecté. Comment vas-tu, Mathieu? Eh ben écoute, ça me fait super plaisir d'être avec toi. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà sur la chatroom. Bonne année, meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent dans tous les sens, en replay, en direct, en pas direct, en ceux qui sont avec moi, Rudy, Pierre-Alexandre, tout ça. Donc je vous souhaite une très très bonne année. Une année 20 sur 20, j'ai envie de dire. C'est la blague du moment, donc je vais l'utiliser. Hein, celle-là, elle ne coûte pas cher. Et du coup, santé, bonheur, argent, parce qu'il en faut aussi, malheureusement. On ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Et avec une actu tech de feu de Dieu, je l'espère, avec un CES qui, j'espère, on nous promet un CES de la maturité. Genre, on arrête un peu les bullshit des trucs du futur qui sont pas du futur, qui servent pas à grand-chose. Donc, on l'espère, un CES du feu de Dieu. En tout cas, il sera moins bien que prévu parce que je n'y suis pas. Voilà. Voilà, exactement. Déjà, on sait que vu qu'on n'y est pas, c'est mort. Alors, n'hésitez pas aussi, si vous likez un maximum de monde, n'hésitez pas à repartager le petit tweet qui est présent. Alors, en sachant que, comme vous le voyez toujours, bien évidemment, aujourd'hui, je mets en avant de plus en plus Twitch. Et alors, j'y réfléchis toujours, mais normalement, je pense que fin janvier, courant février, ça passera définitivement sur Twitch. Parce que plus ça va, plus c'est pire, comme vous le savez. Et lancer aujourd'hui un live sur YouTube en passant par le PC, c'est compliqué. D'ailleurs, merci Little Doren qui lui est sur Twitch. Donc, comme vous le savez, pour l'instant, j'utilise l'outil Restream.io. Donc, c'est pour ça que dans le chat, vous pouvez voir la gestion entre Restream.io pour moi quand je poste quelque chose et que quand quelqu'un commente, il y a soit YouTube, soit Twitch qui s'affiche. Donc, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, c'est comment dire, c'est important en soi parce que ça va être quelque chose qui va devenir naturel par la suite, sachant que bah, les choses changent, hein, bien évidemment, cette année, comme ceux qui ont suivi le live parlant de tout ça. Donc bah, voilà, tout simplement, et ce qui fait que vous avez les liens normalement dans la description sur YouTube pour, bah, pour tout simplement. Alors, vous avez un lien pour Twitch, bien évidemment. Vous avez aussi un lien pour Discord, pour ceux qui veulent parler entre nous. Alors, bon, avec le boulot que j'ai en ce moment et mes yeux qui sont en train d'exploser aussi en ce moment par la fatigue, eh bien, je ne suis pas forcément très très présent. Mais si vous voulez parler entre vous, vous avez aussi le Discord. Le lien est normalement définitif. Vous pouvez le partager pour qu'il y ait un maximum de monde et pour pouvoir partager. Voilà un petit peu. Donc, ce qui fait qu'après, bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez rejoindre aussi donc Avis Mobile, enfin Rudy de Avis Mobile qui a d'ailleurs refait son petit design au passage. Oui, j'ai sorti ma bannière de ce loulou, c'était bizarre, assez abstrait. Donc Bah, oui, ça fait bien, très très il est abstrait, il y en a content qui aiment, d'autres moins. de C'est. me retrouver. Ouais, ça fait plagier off Android, déjà plagié, mais bon, c'est dans Bah attends, les tendances, alors Frandroid, on y va. leur logo est connu, quoi, donc. Enfin, connu. Au final, c'est un logo qui est assez réutilisé apparemment, donc. Non, mais content, même pour la vidéo du Pixel 4, au fait, merci. J'ai vu que ça vous a plu, ce petit nouveau format, et ça risque peut-être de changer encore un peu plus. Donc, bah, merci à tous. Donc. Ben voilà. Et donc nous avons aussi, si vous voulez rejoindre, vous avez aussi Rester Connecté, que vous pouvez rejoindre aussi, qui fait aussi des vidéos bien évidemment, dans la tech, tout ça, et qui en plus de ça a la meilleure configuration visuelle au niveau de la caméra, on peut le dire. Bon, bah écoute, c'est cool, hein, parce que j'ai une connexion 4G qui est un peu en bois d'habitude, et là. Si on est bien, si au niveau du son on est très bien aussi, c'est le plus important. Nickel. Et je vous propose mon chat. Alors moi, par contre, Pierre, c'est normal que j'étais en black, tout noir, de tout noir, Alors de ouais, tout sur noir. Hangout forcément, puisque la caméra est Ouais. Ok. prise Par par le Twitch. Streamlabs. Ok. Donc ce qui fait que effectivement, là, malheureusement, tu ne pourras pas me voir. Tu pourras pas C'est pas voir ma grave. beauté éblouissante. Non, mais je vais me mettre sur le replay aussi en même temps, donc pour voir un peu le chat en même temps.
Donc, C'est bien, c'est comme le truc audio des descriptions, tu vois, c'est tu peux l'entendre, comme mais t'es pas censé le voir, tu vois. C'est adapté pour sourds, non-voyants. Yes. Donc, ce qui fait que, alors, il y a Jamo Ahmed qui a une question pour toi. Oui, qui a une question pour toi, Rudy. Quelle est l'autonomie réelle on-screen de l'iPhone SE? Alors là, je l'ai plus du tout depuis le temps. On ne sait Je l'ai pas. revendu. Je l'ai revendu il y a un bon moment. C'est sûr, c'est que. Enfin, moi, j'arrivais à faire ma journée avec. J'arrivais à faire ma journée avec. Donc, screen on. C'est-à-dire, tu veux faire ta journée sur environ 3-4 heures, c'est le temps passé en moyenne sur un smartphone. Mais si ta capacité de batterie est à 100% ou 90%, franchement, tu feras ta journée. Facilement. Voilà, donc tout simplement. Allez, alors maintenant passons à la réalité des choses. On va parler de ce qui a été annoncé cette semaine, c'est-à-dire des Galaxy Note 10 Lite et S10 Lite. Donc, alors je ne sais pas si vous Alors, avez petit suivi disclaimer l'annonce. juste pour info, moi je reviens de congé où j'ai un peu, tu vois, fermé mes chakras au niveau de la tech. Donc je vais découvrir un peu avec vous et voilà. Bah parfait. Mais Tu sais, je vais voilà, je regarder découvre ça avec rapidement. vous. Hein. Aujourd'hui, mes lives, c'est je découvre quasiment en même temps. Tu sais, je vois la news. Je la mets de côté, puis je la découvre pendant ce temps-là en live. Donc, Yes. Guillaume, vous avez vu le casque avec réduction de bruit de glitch? Ça, on verra ça en fin de live. C'est prévu. C'est prévu, surtout que ça parle de True Wireless à 650 $. Donc, je t'avoue que ouais, ça va être marrant à parler. Sachant que des retours que j'ai de la des True Wireless actuels, c'est pas ouf ouf. Donc, bon, voilà. Alors, ce qui fait que on a le S10 Lite qui va sortir sous Android 10. On a bien sûr l'interface Samsung One UI. On a une taille de 6,7 pouces. Donc ça commence à être grand. De la molette, Après, bien c'est un évidemment. note, hein, donc on est cohérent, hein, c'est un note. Oui, c'est un Note, mais après, tu as le Note 10 qui est lui en 6,3 et le Note 10 Oui. Plus qui est en Ouais. 6,8. Mais 6,7, pour moi, ça commence à faire grand. Pour en parler un peu, mais ça commence à être un petit peu limite pour moi, à mon sens. Faudrait plier tout ça. On a le socle, on a un Exynos, oui, plié, oui, ça va arriver, ça, oui, effectivement, oui, un petit peu de teasing. On va Pardon, avoir je t'ai coupé. l'Exynos 9810, donc le 9810 qui était utilisé sur le Galaxy S9, ce que je voulais vérifier, donc c'est bien ça, avec 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire, on a le triple capteur 12 mégapixels, en gros, c'est un S9 avec un stylet, quoi. Mais en fait, c'est un 4K, Wi-Fi, USB-C, 4500 mAh. C'est de la bonne grosse batterie, on peut le dire. Alors la question, mais je pense qu'il n'y en aura Batterie pas. combien? 4500. Ah, donc c'est bien plus que sur le Note 10 normal déjà. Bah c'est autant que le Note 10 Plus en fait. Par contre, mais en fait, c'est un Galaxy Note 8 avec le très grand angle. Non, le. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais, plus ou moins. C'est un Galaxy Note 8 remis au goût du jour, j'ai l'impression. Ouais. Ce qui fait qu'on est en. Donc. Ça, le Galaxy. On est en Full HD au lieu d'être en Quad HD, donc ça c'est logique puisque ça c'est récent, soit si je dis pas de conneries. On est en 29e pour le Galaxy Note 10 Lite aussi en termes d'écran. On a la caméra. Alors à l'avant. À l'avant, on a la caméra qui est dans l'écran, donc comme le Note 10. Donc ça aussi c'est la petite chose. On a quelque chose qui semble un peu plus arrondi que ce qu'on a l'habitude de voir avec la gamme Note en termes de design, donc c'est un peu plus arrondi. Je pense que bien évidemment, on aura des bords qui sont un peu plus épais. Les 6,7 pouces, ça commence à faire beaucoup. Ça, on en parlera rapidement, mais moi, je commence à avoir du mal avec les très grands écrans. Je sais pas si ça te l'avait fait, Mathieu, avec le Oppo Reno 2, mais je trouvais que ça commençait à faire vraiment limite avec les 6,5. Et là, Je suis j'étais parti d'accord. sur, moi, j'étais parti sur le P30 que j'ai revendu parce que la décote est fameuse en ce moment. Donc, j'ai rien perdu dessus, donc ça me va. Et c'était du 6 points. Donc, c'était déjà assez bien travaillé. Là, je suis sur le Note 10. Je suis en 6.3. Mais le 6.1, tu te rends compte que c'est vraiment la limite. Le Note 10 est super bien travaillé, quoi. Enfin, il n'y a pas de bordure, il n'y a rien. Donc, le 6.3, ça passe, même si c'est assez grand, mais au-dessus, c'est horrible, quoi. Enfin, au quotidien, ça commence à devenir hyper Ça... chaud. Moi, le pire que j'ai eu, c'est le Poreno x10. Enfin, le pire. Il y a le Poreno x10 et le OnePlus 7 Pro, où clairement, cela, ça a été réellement au quotidien, c'était vraiment pas ouf. Je trouvais ça trop gros Après et trop lourd. moi je tournais sur le Pixel 3 XL, hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisque aujourd'hui c'est le Pixel 4 et non le XL que j'ai. Effectivement, après, je t'avoue, voilà, c'est un des bénéfices de passer au Pixel 4.
Pixel 3 XL, je l'avais pris. La taille est un compromis pour l'autonomie, on va dire. Et Ouais. parce qu'en fait, j'espérais beaucoup de feu Google Daydream. On t'embrasse, petite ange partie trop tôt. Et du coup, là, je suis passé au Pixel 4 et je suis content de ne pas avoir le XL qui a, bon, il y aurait eu l'autonomie, mais je pense que là, tu sais, quand tu prends du Pixel, tu te fais un peu une raison sur l'autonomie, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Tu vois, le Pixel 3 XL, il avait une autonomie correcte, mais pas ouf. Et le Pixel 4, bah, ça fait la journée. Même si ça tire la langue quand t'es loin d'une. Par exemple, j'étais en voyage là, ça tire la langue régulièrement. Donc la batterie externe, ça devient vraiment un peu un compagnon inévitable. Mais pour le coup, ouais, le bénéfice de retourner sur une taille en bas, tu vois, un peu plus basse, c'est vraiment mieux. Ouais. J'ai un peu de mal maintenant. Je te dis, on arrive dans l'ère où je pense qu'on a envie que les choses, si elles doivent être plus grandes, doivent se plier. Je pense qu'on petit à petit, ça va commencer à faire le chemin dans notre tête, tout ça. Bah ouais, Enfin, c'est maintenant ça va être ça, et c'est très particulier parce que, enfin, après ça a l'air de suivre, hein, puisque s'il y a du 6.7, c'est qu'il y a une demande quand même, mais moi je commence à avoir du mal. Et même en revenant même à mon Meizu 16e, qui a compacité, qui faisait la taille du Pixel 3 en gros, mais avec le côté borderless, bah clairement c'est un plaisir, et la légèreté, tout ça, et ça commence à me manquer sérieusement. sais, le P30, ça va faire 15 jours que j'ai le Note 10. Le P30, je sais, je rentrais chez moi après le boulot, j'avais passé 2 heures et demie dessus, je rentre à 70%. C'était le smartphone, voilà, qui gardait sa capacité, qui était vraiment excellent en photo et qui était excellent sur l'autonomie, quoi. Et ça se fait très très rare d'avoir un smartphone pas trop grand, pas trop petit, avec une bonne autonomie, parce que le S10e, sur le point faible, c'était l'autonomie surtout. Et au final, tu dis, c'est très très complexe. Donc, si il y a un smartphone genre Motorola Razr qui sort, où tu peux utiliser le petit écran qu'il y a à l'avant pour tes notifs, etc., et le déployer pour regarder des vidéos ou autre média, je suis d'accord avec Mathieu, l'avenir il va être là, parce que Google impose un peu, enfin, sur Android, les grands écrans, il y a de la demande, mais en même temps il y a énormément de demandes sur la capacité. Et l'iPhone 11 Pro, par exemple, en termes de capacité, c'est le seul qui est vraiment compact, avec une bonne autonomie, un excellent écran, etc. Mais sur le marché, ça se fait très très rare, quoi. Et ça, Ouais. Apple, c'est un marché qui tienne, et que sur Android, on perd un petit peu. Ouais, ça commence vraiment à se faire. Alors c'était voilà, c'était juste la petite parenthèse. Pour continuer, donc on est sur les triples 12 mégapixels que l'on a un peu l'habitude d'avoir chez Samsung, en sachant qu'on a le principal en ouverture 1.7, le grand angle en ouverture 2.2 et le x2 en 2.4. Donc on est vraiment sur une configuration, on va dire, presque bah, à la Note 10, je dirais. Ça a l'air d'être assez similaire. Mais c'est étonnant qu'il penche pas sur le 48 mégapixels ou même le 100, le Le 108, si je dis 108. pas de bêtises. Ouais, Ouais. mais ouais, c'est bizarre. C'est Bah après, bizarre. le truc, c'est que enfin, quand je regarde, moi, j'oscille entre le Honor View 20, le Mi 9T Pro et le Meizu 16e. Ben, le Meizu 16e, même s'il est que en 12 et que, bon, c'est pas non plus les meilleurs en termes de photos et que je peux pas mettre Google Caméra dessus, je peux faire de super photos avec, alors que c'est Non, ouais, qu'un 12. C'est un peu particulier, en fait. Enfin, c'est pas... non, mais après, je comprends, mais le sens de l'histoire veut que tu utilises. C'est même plus une question de mégapixels. Je pensais vraiment plus au fait que bah, tu utilises les derniers modèles de chez Sony en termes de capteurs. C'est ça qui Ouais, sachant que le m'étonne un 108, peu c'est plus. Samsung. Ah oui, le 108, c'est Samsung, mais pardon. Mais par exemple, je pensais pour Ouais, le le 48, 48 c'est... Ouais, de c'est Sony. Sony ou même ou même celui de Samsung. Tu vois, ce qui est Ouais, marrant, c'est qu'il après, pousse absolument pas ce capteur-là, quoi. peut-être que pour eux, c'est pas assez intéressant pour les mettre sur leur smartphone. Et comme tu vois, hein, tu vois sur Dxo, globalement, il s'en sort très très bien, alors que ce n'est que du 12. Donc peut-être qu'ils ne voient pas l'intérêt. En tout cas, Ouais, ouais, mais je vois ce que ouais, tu veux ouais. dire. Après, lui, c'est surtout que Samsung, apparemment, enfin, ils n'ont jamais sorti de Lite ou de version léger depuis des années déjà. Oui, déjà, oui, c'est Pour étonnant. des capteurs, pour des form factors peut-être à liquider, assez d'épuiser. Et il y a la gamme A qui est arrivée, la nouvelle gamme A. Ils ont utilisé le design un peu de la gamme A pour le S10 Lite et le Note 10 Lite qui, pour moi, arrive un peu tard. Le Note 10 Lite, pour moi, il serait peut-être dans les temps avec les prochains S. Mais pour moi, le S10 Lite, il est un peu en retard. Et c'est surtout, voilà, c'est le form factor, préparer les gens à une nouvelle arrivée de smartphone, proposer un Note en plastique un peu moins cher avec les fonctions du stylet et avec ce qui va arriver avec la gamme A et puis les nouveaux S20, entre guillemets.
Je pense que c'est ça, c'est toute une préparation psychologique, peut-être une productivité aussi à assembler, et puis pour essayer de ne pas perdre trop d'argent non plus, proposer encore des gammes light pour reproposer une nouvelle gamme peut-être à la demande des S et des notes, quoi. Parce que pour moi, le Note 10, bon, il est un peu cher pour ce que c'est clair, mais là, le Note 10 Lite, pour moi, ouais, ça va intéresser des gens. Le S10 Lite, je trouve un peu moins. Le problème avec ce truc-là, je t'interromps juste, PA, après, comme ça m'intéressait aussi d'avoir votre point de vue, c'est que tu mets à mal une gamme sur laquelle tu étais habitué à vendre du premium. Et je trouve que, ben, tu vois, un peu comme ce que les S étaient en face des iPhones ou les Note aussi également, c'était du très haut spec, spéqué. Très haut de gamme, je trouve que c'est envoyer un très mauvais message que de voilà que de proposer des versions bas de gamme, enfin moyenne gamme ou entrée de gamme, enfin Je vois de ce que tu veux voilà de dire. Ouais, redescendre la c'est. gamme des notes en fait, parce que en fait sur le papier ils sont pas mauvais hein, bien sûr, mais je trouve que c'est envoyer un très mauvais signal et ça devient un peu ça devient plus un truc exclusif d'avoir du S. Je En fait, trouvais qu'ils pour moi. s'étaient bien démerdés avec le S10e parce que du coup tu avais l'essentiel d'un S10 avec un prix entre guillemets plancher pour une gamme S, mais le Lite pour moi c'est pas un très bon choix stratégique. Pour dire ce Hein. que Moi, je suis pas totalement d'accord. C'est juste le E pour moi, désolé PA, le Vas-y, E vas-y. pour moi, c'est l'essentiel, c'est-à-dire tu as le haut de gamme, tu as tout le premium du haut de gamme avec un capteur en moins et tu n'as pas d'écran Quad HD, tu as un écran un peu plus petit avec un Full HD. On va dire tu as vraiment ce qu'il faut pour que tu gardes l'esprit haut de gamme avec quelques petites choses en moins qui vont pas réellement te gêner au quotidien. Pour moi, l'essentiel est là. Ils l'ont fait sur la Tab S5 aussi. Bon, tu sens la différence sur les performances. Mais tu gardes l'aspect essentiel en tête où tu dis, tu as le même aspect, mais tu as quelques petits trucs en moins. Et ils l'ont fait sur le A20. Ce que j'ai pas compris, c'est sur le A20, sur un entrée de gamme, proposer l'essentiel d'un entrée de gamme avec juste un capteur photo en plus, par exemple, parce que le A20 n'était pas sorti en France, si je me trompe pas, mais nous, on a eu le A20e. Déjà, tu dis la gamme, le terme essentiel, en fait, il sort un peu de son contexte. Et je trouve que Mathieu a raison. Dans ces cas-là, ils nous sortent un Note 10e et un Note 10, plutôt qu'un Note 10 normal, un Note 10 plus. Comme ce que le dit Batix aussi, il te rejoint dans le chat et je suis totalement d'accord. J'aurais préféré voir un Note 10e Un Note pour conserver 10e et le S10 pour moi, le Note 10 Lite, Note 10e, c'est pour ça que pour moi, là, actuellement, bon, il peut encore avoir sa place plus ou moins sur le marché, mais le S10 Lite, pour moi, il n'a rien à voir sur le marché, quoi. C'est pour moi, le S10e, c'est la version Lite d'un S10. Là, tout ce qu'ils veulent faire, c'est peut-être rebooster leur vente et reproposer voilà, du matériel. Peut-être qu'il ne leur a servi à rien à la prod, qui provient des gammes A, et voir si effectivement il n'y a pas un Alors, truc comme ça. Mais pour moi, c'est pas. pour aller plus loin, je pense que c'est surtout aussi l'histoire de marché. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'aujourd'hui, Samsung, avec Apple, c'est un peu les derniers représentants, un petit peu, enfin, hors chinois, ce sont les derniers représentants des marques dites classiques, occidentales, ou tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que là, les Chinois, surtout avec Oppo qui commence à s'internationaliser de plus en plus, même BBK au global, Xiaomi qui prend de plus en plus de place en Europe, on a. Déjà, ça fait déjà pas mal. On a ce retour et puis on a Huawei qui prend énormément de place. Aujourd'hui, le truc, c'est que on a ça et on a un renouvellement des gammes chinoises, parce qu'en Chine, c'est déjà comme ça depuis assez longtemps, à peu près tous les 6 mois. Donc, ce qu'on détestait chez Samsung il y a quelques années, toutes les marques sont en train de le faire. Et vraiment toutes. Et elles sont tous en train de s'y mettre. Et Samsung est en train de s'y remettre parce que ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire de noyer le marché. Parce que si vous regardez Xiaomi, toutes les 2-3 semaines, on a un nouveau téléphone qui sort. En moyenne, hein, c'est à peu près ça. Oppo, ils sont en train de. Oppo, on a à peine le Oppo Reno 2 qui est sorti, que on entend déjà parler du Reno 3 qui va pas tarder à se faire annoncer. Ça va être que ça tout le temps. Et le problème, c'est que là, Samsung est obligé de s'aligner. Et obligé, c'est pour ça qu'on a une gamme A qui a plusieurs déclinaisons, qui se répètent tout le temps, qui ressort. On a des très grands classiques parce qu'ils vont jouer sur le nom Note 10 pour pouvoir les vendre et aller dans le milieu de gamme et s'attaquer aux Chinois parce que les Chinois ont forcément un meilleur rapport qualité-prix. Ici, on garde une bonne puissance puisque là, ils réutilisent une ancienne puce haut de gamme
qui mettent au goût du jour pour cette gamme-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils gardent quand même une bonne puissance pour être concurrentiel face au Snapdragon 730 notamment et au 760 qui est en train d'arriver et être en fait vraiment face à la concurrence chinoise qui va être là sur le rapport qualité-prix que Samsung ne peut pas forcément pour l'instant avoir et que bah, ils vont devoir créer autrement et le créer avec une ancienne puce, avec ce nom un peu iconique de la Game Note et pour pouvoir créer un bon rapport qualité-prix sur une gamme emblématique et tout en ayant ce côté un petit peu énorme on va dire, ce côté un peu prestigieux du Note pour pouvoir faire ses ventes parce que sinon s'ils ne font rien, s'ils ne sont pas aussi actifs que les Chinois, ils vont se faire bouffer. Donc, c'est pas ça, il y a aussi sur l'Exynos, comme ils ont fermé l'entreprise aux États-Unis sur la production des cœurs de l'Exynos, il y a toujours cette question qui revient, est-ce que effectivement Samsung ne va pas rester sur du Snapdragon qui reste plus performant De ce que j'ai compris, parce que c'est vrai que c'est un peu flou là-dessus, de ce que j'ai compris, c'est surtout qu'en gros, ils ne vont plus développer de corps spécifiques, c'est-à-dire les corps Mongoose, qui étaient les deux corps ultra puissants, ils ne vont plus les développer, parce que ça devait être trop coûteux, ils en faisaient des très puissants, mais ça devait être trop coûteux, et donc en gros, on va être un peu à la configuration, un peu comme ce que propose MediaTek, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les corps de chez ARM, ils vont associer ça avec des puces graphiques, parce qu'ils travaillent toujours, par exemple, avec AMD, pour une puce graphique dédiée. Donc, je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais ce qui fait qu'on va avoir cette idée-là. Donc, on va avoir vraiment, en fait, en gros, la partie CPU va être basique. Là où il n'y aura plus que Qualcomm qui va aller la modifier un peu, mais même Qualcomm, au final, se base sur des corps ARM, les modifie un peu à leur sauce, et pas forcément beaucoup en plus de ça, pour créer ce qu'ils font, donc la gamme Cryo. Mais si, parce que Samsung, ils ont toujours ce problème d'autonomie, c'est vrai que... Oui. J'ai toujours du mal à voir si ça provient de leur logiciel, de leur surcouche, de leur optimisation, ou si ça provient vraiment de leur optimisation CPU, GPU, où il y a un gros souci sur ça, quoi, parce que quand on voit ce que Huawei arrive à faire, Xiaomi ou même Samsung avec du Snapdragon, c'est que pourquoi ils s'entêtent encore à vendre des produits en Exynos en Europe, alors que le Snapdragon outre-Atlantique, c'est un carton. C'est un carton parce qu'il n'y a pas le choix. Je te rappelle que Outre-Atlantique, c'est surtout un contrat qui a été fait à Qualcomm. Et alors, c'est là où ça va être intéressant. Et on digresse un peu, mais on va essayer d'y revenir. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que Qualcomm a niqué toute la concurrence du brevet 4G que seul Qualcomm a. Avec la 5G, ça va se renverser. La vapeur va se renverser. Et ce qui fait qu'en gros, ils ne sont plus les seuls détenteurs de la 5G en termes de brevet. Donc, on peut avoir une relance par rapport à ça. Outre, et notamment, c'est aussi pour ça que MediaTek a développé à parler de son SoC Dimensity 1000. Ils ont beaucoup plus moyen cette fois-ci d'être un peu plus concurrentiel. On reprend un peu l'idée de X30 en version évoluée. Et là, ça aura un peu plus moyen de percer puisque Qualcomm n'aura plus la main mise sur ses brevets et ne pourra plus forcer les gens à rester sur leur processeur. Parce que c'est un contrat, mais c'est parce que Samsung n'avait pas le choix et a dû signer ce contrat pour pouvoir avoir accès à ses brevets 4G de façon correcte en termes de prix, tout en négociant le fait là-bas ce sera du Qualcomm et vous gardez ici parce qu'on s'en fout un peu plus. C'est un peu ça l'idée. Faut pas oublier que Qualcomm c'est des grosses putes hein, dans l'idée. Et j'apprends que sur le Bluetooth aussi ils sont pas vieux. Mais ce qui fait que alors pour moi après l'Exynos, le souci de l'autonomie, je pense que dans l'idée le processeur est surtout dédié plus à la puissance que l'économie d'énergie. Et on le voit notamment avec Huawei et les Kirin. Et Kirin, si vous avez vu avec l'autonomie, on a quand même une autonomie de bâtard, hein, on peut le dire, qui sont bien meilleures que ce que proposent les Qualcomm. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore mon Viewvent, c'est parce que j'ai une autonomie de dingue. Parce que c'est plus orienté économie d'énergie. Et vu comment ça a été présenté pour être plus dans l'économie d'énergie, d'avoir un bon équilibre entre performance et économie d'énergie. Là où Samsung, c'est la puissance. Et quand tu vois les cœurs Mongoose, c'est des très très gros cœurs extrêmement puissants. C'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus. Et quand tu fais des belges, c'est ça. Ça va beaucoup plus dans la puissance. Donc, ce qui fait que forcément, si tu vas plus dans la puissance, tu auras tendance à plus alimenter tes cœurs. Et donc, le rapport performance-énergie est beaucoup moins bon. Voilà un peu l'idée. Je regarde un peu Xiaomi Mi 10 au MWC. Alors, ça, c'est très clair. D'ailleurs, on devrait avoir du Meizu aussi au MWC. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi.
Honor a fait la fin du facteur à Donald en sortant le Huawei Nova 4 déjà certifié aux USA. Bah, en fait, c'est surtout là aussi, c'est surtout pour dire, hey, regardez, on arrive encore à faire des produits, mais c'est juste de la du recyclage pour rassurer les gens. Le problème, c'est que là, on est quand même sur le mètre 30, qui est compliqué. Dès qu'une marque est en monopole, ils en profitent grave. Alors, il y a ça, mais il faut avouer que Qualcomm a quand même des façons de faire qui sont quand même encore plus abusées que beaucoup de monopoles. Ils sont très très forts. Mediatek. Salut Mohamed, bienvenue. Mediatek, oui, allez-y, je m'en fous. Enfin voilà, c'est ce qui fait qu'il y a un peu tout ça. Alors, oh, le prix, j'avais pas vu le prix. Le Note 10 Lite sera vendu au tarif conseillé de 609 euros, soit un tarif sensiblement plus agressif que les 960 du Note 10. Ouais, mais encore une fois, tu vois, au final, tu me dis qu'ils s'adaptent à la stratégie chinoise, ils inondent le marché, mais ils font des prix encore qui sont... Après, il faut pas oublier aussi que ça reste une marque grand public. Donc tu as le côté déjà tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est marketing, etc. Forcément, ça va influer sur le prix. Mais Ouais, recherche et développement pour réutiliser un socle qui était déjà utilisé avant, je sais pas, c'est c'est un compliqué ensemble, hein. à défendre, hein. Ça reste un ensemble. Défendre de la R&D sur des téléphones premium, je veux bien, mais sur des tels comme ça un peu, tu vois, c'est comme si que tu me disais qu'avec l'iPhone SE, il y avait de la recherche et développement Bah, il y a quand même de ou la l'iPhone recherche, hein, 10 R, tu vois. c'est bon, bon, non, mais après, il y a quand même de la Tu recherche, tu vois, vois. Même si, tu vois, j'aime pas Apple, l'iPhone SE, il faut quand même faire l'intégration. Quel processeur utiliser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça prenne pas trop de place? Tu as Oui, quand même mais de la c'est que recherche, même bon. si c'était du recyclage en termes de design de certaines choses. Bah ouais, Tu as quand même un je ensemble comprends. qui fait que tu as une recherche. Qu'est-ce qu'on met comme écran? Est-ce qu'on peut mettre celui-là? Est-ce que, comme on met les. Tu vois, le Ah, délire, bon, bon, maintenant, avec ce. la Enfin, moi, plus, j'ai. la rentrer dans un Moi, prix kiffant. Donc, j'ai c'est. l'impression que les mecs, ils ont voilà, ils ont un. Non, j'ai perdu le terme. Ils ont un chiffre d'affaires à enfin une marge, pardon, à conserver et qu'ils sont encore dans leur monde où voilà, ils s'appellent Samsung, donc forcément, la carotte, elle peut encore être mise. C'est ça qui me. Je peux pas analyser ça autrement, en fait. C'est ça mon problème là-dessus. Le stylet, toutes les technos du stylet, elles ont été abouties par les générations précédentes et par les derniers modèles. Franchement. Tu m'excuseras, là, ce que je vois là, en termes de design, pour moi, c'est un A60 euros avec un stylet, quoi. Tu vois, Mais plus ou moins, c'est. on est pas. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, en fait, je fais pas du Samsung bashing. Hein. J'ai rien contre Samsung. Au contraire, j'adore leurs produits. Très clairement, si j'avais pas du Pixel, j'aurais peut-être eu du Samsung encore aujourd'hui, ou peut-être après. Maintenant, ça a beaucoup bougé. Mais bref, Samsung, c'est une marque que j'aime bien. J'ai un S8 encore à la maison qui me sert de caméra, que j'aime beaucoup. Mais pour moi, ces gens-là, ils sont encore dans leur bulle. Et ils comprennent pas que le marché il est violent et que c'est pas parce que tu vas inonder si tu fais rien au niveau des prix. Ils l'avaient un peu compris avec la gamme A, je trouve. Voilà, ces derniers temps, ils avaient commencé à trouver des. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en revenant juste pour finir là-dessus sur l'histoire des gammes, je trouvais que la gamme A, elle se défendait très bien par rapport aux marques chinoises. Moi, il y a vraiment des gens qui aiment beaucoup parce que tu as la sécurité, entre guillemets, d'une grande marque comme Samsung qui a encore son nom pour elle et voilà, enfin, c'est totalement justifié. Et pour moi, tu avais une gamme S qui était une gamme élitiste, tu vois. Voilà, limite, tu vois, tu aurais pu, je te dis, je suis d'accord avec toi tout à l'heure, hein, moi j'aurais fait un Note 10e, tu vois, avec un S10e, à la limite, pour aller taquiner les flagship killers qui t'emmerdent, et au niveau du prix, et garder la gamme A qui est une gamme, je trouve, totalement solide, en fait, pour être dans le milieu de gamme et dans l'entrée de gamme. Après, ça reste moi, pour moi, ça reste toujours, voilà, c'est trop éparpillé. Je crois que Jean-Mathieu, je l'ai toujours dit, on est passé des A3, A5, A7, etc., 2016, 2017, à une gamme A toute simple, Ouais. A10, A70. D'ailleurs, moi, je ne vais pas vous cacher, à chaque fois que j'en mets un dans ma vitrine où je travaille, ça part en quelques heures, c'est un carton. Ça reste un Samsung, Et hein. C'est voilà, ultra connu, c'est sécurisé, c'est la marque tu grand vois. public. Les gens, ils voient un S9 à 300, 350 euros d'occasion. Ils voient le A70 qui est beaucoup plus récent en prix. Ils cherchent même pas à comprendre. Toi, ils oublient l'aspect premium, l'aspect élite, comme dit Mathieu. Ils partent sur ça, quoi, parce qu'ils savent que c'est du Samsung. Ils sont habitués. Ils veulent un bon produit. Voilà. Et le truc aussi, c'est que Samsung devrait. C'est vrai que Xiaomi il prend l'exemple de Samsung d'avant en inondant le marché. Je sais pas si c'est la bonne solution, mais pour l'instant, pour eux, ça fonctionne bien.
Mais ce qu'il y a, c'est que tu as OnePlus qui, derrière, qui prend, qui rappelle l'image d'Apple où ils ne sortent pas trop de produits, où tu arrives à te repérer et que les produits sont aboutis, quoi. Et on est vraiment sur un prix killer avec des composants haut de gamme et un produit qui essaie de se démarquer tout le temps tout en écoutant sa communauté. Et là, Apple, apparemment, il serait à deux, un peu comme OnePlus, il risquerait de faire deux annonces, donc les iPhone et les iPhone Pro, à partir de cette année. S'ils commencent à faire ça, à partir de là, Apple revient dans la course. Ils vont revenir avec une gamme vraiment grand public aux alentours de 700-800 euros. Comme l'iPhone 11, qui est un excellent produit pour le prix, c'est l'un des meilleurs, faut pas le cacher. Et après, tu as la gamme Pro qui sera, voilà, comme dit Mathieu, élitiste, et vraiment pour ceux qui veulent vraiment du premium, quoi. Et entre les deux, on aura plus ou moins les mêmes composants, mais on aura des spécificités qui vont faire que l'un est meilleur que l'autre, et que ça vaudra le prix. Et là, Samsung, là, ce qu'ils nous sortent, c'est juste une liquidation de matériel qu'ils avaient en stock, et puis qu'ils souhaitent essayer d'en gagner de l'argent, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Comme dit Mathieu, ils ont un taux de marge, ils ont un chiffre d'affaires à respecter, ils ont des choses comme ça. Si ça n'arrive pas chez nous, sincèrement, ça ne me fera rien du tout. Mais si, Ouais. comme ça arrivera chez nous, je me dis que ces produits-là, les gens vont être perdus, quoi. Entre la gamme des 10 et des S avec les nouveaux S qui vont arriver, les gens vont être totalement perdus sur leur gamme. Parce qu'en plus, ce produit-là, enfin, presque tu le destines à qui en fait? Souvent, ils pensent comme Au ça, les grand marques. public. Ouais, Au mais grand au public grand qui ont moins public. d'argent et qui veulent un note mais qui veulent pas payer 1000 balles. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est Quand tu vois rappelez-vous que le nous déjà, le net normal, il se alors trouve en 700 balles en neuf déjà. Non mais Donc alors juste une chose, rappelez-vous que nous on est des gens qui sont dans la tech. Nous nous intéressons à tout. Nous on connaît les Xiaomi, on connaît les Oppo, on connaît tout ça. On connaît les gammes sur internet, on connaît Xiaomi. Donc forcément le rapport qualité-prix on voit pas l'intérêt, on voit que c'est trop cher. Et le truc c'est que si vous regardez si vous regardez les gens qui vont acheter un Magic Lite, c'est des gens qui n'y connaissent rien. Ouais. Qui connaissent Samsung, Apple. Mais je Ils pense voient un qu'on Note en... 10, ils voient un Lite, ils disent, ah tiens, c'est bien, je peux avoir le stylet sans devoir payer le prix d'un Note 10. Ah, C'est aussi con que ça, hein. la personne lambda est déjà perdue avant même en posant juste ses yeux. En fait, il a le problème, c'est même pas de connaisseur ou pas. C'est juste question de gamme et de rester droit dans les gammes. C'est qu'au bout d'un moment, si tu commences à dévier sur la gamme, tu sais que ta gamme de base, elle risque de mourir parce que tu es parti trop loin dedans. Et je rejoins Mathieu quand il dit que le premium, c'est le premium. Tu peux pas trop jouer la version E, elle est là. C'est la version light, très clairement. Et je vois que dans le chat, il y en a beaucoup qui sont d'accord aussi avec nous. Et que là, ils ont dévié. Et ils le font au mauvais moment parce que dans un mois, ils annoncent leur nouveau produit. Ça veut dire qu'ils veulent pas se faire oublier entre l'annonce du Note, entre l'annonce de la gamme A, entre ça. Il y a un laps de temps. Et je pense que c'est ça aussi. C'est qu'il faut garder l'image, il faut rester présent sur le marché. Il y a une concurrence chez Android qui devient de plus en plus féroce. Apple, pendant ce temps-là, eux, qui sont concurrents directement avec Google, Google l'a compris, ils sortent une gamme A et une gamme Pixel avec tout ce qu'il faut en termes de premium et de spécificité. Au final, tu vois, c'est bien de sortir à certaines keynotes à certains moments de l'année pour bien équilibrer ses ventes, faire en sorte que le C'est taux de vrai. marge reste bon, que le chiffre d'affaires reste bon, qu'on ne soit pas oublié des gens pour Non mais propose alors attends. et tout. Je t'arrête En fait, tout de c'est suite. Je t'arrête tout de suite. Explique-moi comment à ce moment-là Xiaomi arrive à faire autant de ventes en sachant que tu as des produits qui sortent tout le temps. Et pourtant les gens achètent du Xiaomi et ils ne comprennent rien aux parce gammes. qu'il y a une énorme communauté. Et les gens, moi je les Oui? vois tous les jours, les gens, un Xiaomi Redmi Note 8, je vais pas te mentir. Un Redmi Note 8 vendu 300 euros, je l'ai vendu 300 euros d'occasion. Parce que la marque est à son summum en France. C'est-à-dire que tu peux profiter de l'image de marque d'un produit pour le vendre assez facilement parce que c'est réputé et que la communauté le met en avant. C'est-à-dire la communauté fait vivre. Et actuellement, la communauté de OnePlus, de Xiaomi et de Huawei est beaucoup plus puissante que celle de Samsung. Ce qui fait que Samsung est en perte. Alors, en termes d'image, et que Samsung doit rester présent sur le marché. Si tu restes pas trop présent, tu perds. Et Apple, c'est exactement ce qu'ils font avec le retard de la keynote, c'est-à-dire les annonces en fin d'année, après une annonce de Note, après une annonce de OnePlus 7 Pro, avant une annonce de Mate de Huawei, ce qui fait que toutes les informations se concentrent que sur ces produits lourds. Apple est là, mais tu l'oublies assez rapidement. Alors que là, Apple, tu l'oublies pas Apple. assez rapidement. Je suis pas d'accord. Ça reste encore aujourd'hui encore une énorme référence pour
les pays ciblés. Après, par contre, là, on est un petit peu en train de partir. Le Ouais. truc, c'est qu'on est un peu, on est un peu parti. Et sur le Donc, marché, ce n'est pas des produits qui vont fonctionner. Très clairement, ça ne fonctionnera pas. non, mais pour finir, hein, il y a un exemple qui est juste flagrant là-dessus. Tu vois, le sentiment qui fait que pour nous, Samsung qui est en train de partir un peu en sucette, c'est que, par exemple, je reprends dans le chat, Mohamed, ce que dit, c'est que tu vois, même OnePlus commence à perdre la tête en sortant trop d'appareils dans une période trop courte, tu vois. Et en gros, inonder le marché, j'ai l'impression que c'est bien quand tu es chinois, mais quand tu as un truc, quand tu as une marque comme Samsung, par exemple, ben, t'es droit dans tes bottes et du coup, je trouve que ce S10 Lite, il va apporter, ou ce Note 10 Lite aussi, va apporter plus de frustration qu'autre chose et il va plus emmerder un S11e qui sera plus intéressant sur le papier que le reste. Moi, j'avoue, C'est pas la même je cible, comprends pas trop le attention. move de Samsung Là, là-dessus. c'est pas la même Et cible. je pense, il y a un dernier truc que tu as dit tout à l'heure où j'étais pas d'accord et j'ai pas pu réagir, c'est que je crois que le fait de penser que le grand public ignore encore des marques comme Honor, comme Xiaomi, je pense que c'est une erreur que font les marques, les grandes marques, tu vois, de plus en plus. Je Ah crois non, non, qu'aujourd'hui, tu peux plus dire qu'une marque chinoise comme Honor ou comme Xiaomi, du grand public n'est plus que. non, Enfin, Huawei Honor aujourd'hui est très connu en France, mais au travail, là où moi je vends plus de Honor, de Huawei et voilà. de plus Voilà. rapidement que de Samsung. C'est C'est-à-dire ça. qu'actuellement, mes accélérations de prix, moi je sais, je parle boulot là, On fait vite, hein. en Il fait, faut qu'on avance. non, les accélérations de prix en bref se font sur les produits Samsung et très clairement les Apple. Et moins sur les Xiaomi, les Huawei, etc., qui partent vite. Pourquoi? Parce que leur image de marque, elle est puissante. Leur image, elle est contrôlée. Leurs prix sont bons. Les décotes sont assez rapides. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de faire décoter leurs produits. Actuellement, un P30 Pro, ça a perdu 500 euros, 400 euros de sa valeur en neuf. Ils vont sortir un P40 et ils n'ont pas eu peur de sortir un M30 Pro en Europe sans les services Google. C'est-à-dire ça, Ça, on te c'est montre qu'on est présent, qu'on est encore hyper bon. Et qu'on s'en moque parce que le marché il est là, on va garder nos parts de marché et on sait qu'on va perdre de l'argent, mais on va rester présent. Et ça, les gens psychologiquement ils s'habituent à ça et ils se disent que cette marque elle continue à valoir le coup parce que même avec ce qui se passe pour Huawei, les gens n'ont pas peur d'acheter d'autres produits Huawei avant le Mate 30. Et en fait, ces gens-là achètent, 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 achètent et tout part de là. Plus tu vas acheter un produit, plus tu vas avoir une bonne image, plus tu vas être bien vu. Parce que Huawei et OnePlus, il ne faut pas se voiler, ils sont dans le top 3, je crois, des marques les plus solides, apparemment, en termes d'image de marque et en termes de fiabilité. Donc, quand tu te rends compte que même Xiaomi, dans le top 10 des marques les plus vendus. les meilleures marques en France, derrière Michelin qui est 8e, et que seulement après la 15e place, tu as Samsung et Apple, Alors attention, parce c'est. qu'il faut pas oublier une chose, hein, c'est que la communauté Xiaomi, elle existe depuis longtemps en France. Et si c'est un sondage qui a été fait sur Internet, on va pas se leurrer, je te le dis tout de suite, c'est une communauté qui est puissante et qui peut Après, facilement on biaiser parlait pas. qui peut bi facilement biaiser un sondage. J'ai dit ça Mais juste comme ça, mais je tiens à le rappeler quand même. je suis d'accord avec toi, mais on parle tout à l'heure de personnes lambda qui n'y connaissent rien à la tech, elle voit ça, elle s'en fout. Non mais Je suis je pense d'accord. qu'il y a, il y a Ça, bon, pour synthétiser. excusez-moi, mais on va arrêter là. Ouais, mais juste pour synthétiser, moi et vous me dites si vous êtes juste d'accord ou pas. Pour moi, en fait, il y a un truc qui est important et que les Chinois ont réussi, c'est-à-dire que les consommateurs, c'est pas forcément moins cher, pas moins cher. Ils ont juste compris qu'ils arrivaient à en avoir plus en payant moins, tu vois. Et pour moi, Samsung, en plus avec le ban, avec les affaires de Huawei et tout ça qui fait un peu flipper tout le monde, ils auraient dû conserver un petit peu peut-être le cap de ces gammes bien claires et avec ce côté haut de gamme parce que de plus en plus, bah, le ban que Huawei est en train de se prendre, il est en train de se répercuter un peu sur tous les Chinois. Tout le monde se pose la question, est-ce que j'achète encore du chinois parce que j'aurais pu les appeler Google? Eh ben, il y en a qui sont encore prêts à aller vers les marques chinoises que elles sentent pas trop le vent tourner, mais en même temps, je trouve que c'est dommage que Samsung succombe à ces trucs-là, ces light qui n'ont pas de Profite goût, quoi. pas comme il faut de la situation, très clairement, Voilà. pour prendre des parts de Mais marché. on est d'accord, Rudy, juste on est bien d'accord, et PA, t'es d'accord avec moi? Non, Au moins, non, les moi gens, ils ont je compris que les Chinois, ils offrent plus pour payer moins. t'as Il y en a mieux synthétisé toujours plus. ce que j'ai dit pendant 5 minutes, en Ouais. fait. Bah, c'est sympa. Bon, voilà, on va rester là-dessus, mais oui, ça résume plutôt bien. C'est logique, mais voilà. Bref, avançons parce qu'on est toujours sur du Samsung. On va parler du S10 Lite qui a été aussi annoncé.
On en a parlé, non, on a parlé de Not This Light. Bon, on n'a pas l'info, vas-y, donne-nous l'info, donc, mais on a déjà fait le débat, on va dire. Alors, le SD Slate, donc on a toujours l'écran. Ah oui, donc c'est. Mais en fait, c'est le A71 ou quoi. C'est un écran de 6.7 pouces Full HD, triple capteur photo. Par contre, on a un capteur de 48 mégapixels, tu vois, ils le mettent en ouverture 2.0. Tu vois, c'est de la merde. Voilà. En ouverture 2.0, le grand angle en 2.2 et un objectif macro, donc c'est de la merde, de 5 mégapixels en ouverture 2.4. Les gars, parce que t'as dit Macron, on aurait dit que t'as presque dit Macron, c'est de la merde. Hein. Oh, Macron, c'est pareil. donc, pas de débat politique. Je crois qu'on va l'appeler, on va l'appeler Manu maintenant. Donc, le SD Slate. Le Manu, c'est le Manu. Ah, il a aussi un Snapdragon 855. Donc, 6 à 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. On peut mettre une carte micro SD, 4 plis de 500 mAh. Mais le téléphone ne prend pas en compte la charge rapide. Pardon ? Attends, quoi ? Il y a un problème là. Le produit, il y a un problème déjà dans le produit. Mais c'est quoi ce Snapdragon sorti de la brocante là ? Mais non, c'est un 800. C'est un 800. Ouais, c'est un 800. Mais attends, mais, pas de charge rapide. Je ne comprends pas non plus. Et là, le smartphone se déverrouille au capteur d'empreinte suivant sur l'écran. Un Android 10, ok, ce qui est logique. Il n'est pas certain que le SD Slate sorte en France, seule sa sortie aux USA est confirmée par la marque. Ok. D'accord. 855, ça me semble logique. Alors, on va terminer rapidement. Parce que là, mettre un 855 et mettre Light, ça me perd un peu. Attends, parce que c'est pas fini, parce qu'il y a aussi le A51 et le A71. Alors, on va faire vite. Le A51, 6.5 pouces avec un Exynos 9611. Hein, histoire de compliquer tout ça. Voilà. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, une batterie de 4 mAh, du 48 mégapixels en ouverture 2.0, un très grand angle en ouverture 2.2 et de la macro. Ouais, donc c'est un espèce de sous S10. On est sur un S10 Lite Lite. Ouais, c'est ça, Lite Lite. Le Galaxy A71, c'est un 6.7 pouces, 4500 mAh. On a de la charge rapide, et ça va être chez nous, à 25 watts. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un Snapdragon 730. Non, mais il n'y a aucune logique. On a aussi un appareil photo de 64 mégapixels en ouverture 1.8. Et les trois autres appareils sont identiques. Comment ça, trois ? Il n'y a pas de. Ok, bon, il y a un grand angle de 2,2 et du 5 mégapixels en macro. Bon, après, à part. Que peut-on dire de ce design de merde, à part que le dos, ça ressemble à des plaques de cuisson, hein, alors à 4 ou 6 places, voire à 5. C'est moi, je trouve que les appareils photo ont commencé à être sur des trucs un petit peu jolis. Ça fait plus vitrocéramique sur les Samsung que sur l'iPhone quand même. Ah, carrément, non, mais là en plus, j'ai la pub de l'iPhone. Ouais, de l'iPhone à côté. Je préfère ce putain de design de l'iPhone, alors que je ne l'aime pas du tout, à ces putains de plaques de cuisson là. En fait, l'iPhone, c'est plus la petite plaque électrique de logement étudiant, et là, on a plus la plaque vitrocéramique de chez Electrodépôt. Qui sert à ça, tu vois, un peu mieux équipé, tu vois. 2020, ça annonce lourd quand même. À mon avis, c'est 2-0 de 2020. Vous savez que ça me donne encore moins envie de tester les smartphones. Alors, moi, tu peux le poser, tu sais, ça ne chauffera pas. Ouais, c'est sûr. De toute façon, là, tout ce que tu as annoncé, là, j'ai aucune envie de les tester, Stéphane. Vraiment. Ah, ça me donne rien qui me chauffe. Il y a juste le Note 10 Lite, j'aimerais bien voir. Mais... Ouais, le Note 10 Lite, par curiosité. Allez. Et voilà. Mais ouais. Philippe M qui fait pas fou les mises à jour pour le Xiaomi, exemple, le Mi 9T Pro depuis Mi 11 en novembre, on n'a plus rien. Et c'était déjà en novembre, c'est vrai qu'on n'a pas eu de mise à jour depuis. C'est vrai en plus. À force de faire des téléphones, il y a des mecs qui pensent plus à mettre des mises à jour. C'est un peu ça. Pourtant, c'est sorti rapidement. Alors, ce qui est bien, c'est quoi en plus, j'ai le Mi 9T Pro, j'ai pu le garder. J'ai aussi Android 10 sur le Honor View 20, en bêta, s'il vous plaît, merci Alexis. Mais qui passe vachement bien en fait, et limite je préfère largement le Magic UI que Mi UI. C'est... Par contre, il y a un bon smartphone auquel on n'a pas pensé en termes de design, c'est peut-être le LG G9 qui pourrait peut-être s'en sortir le mieux cette année en termes de placement de capteurs photo. Ça reprend un peu le S10, et au final on est en train de côté. Mais il y a un problème par contre, c'est parce que la face avant c'est de la merde avec ce putain de d'encoche de la con. Non, c'est pas possible. Ah, mais je parlais de l'arrière surtout. Hein. Ah, c'est juste l'arrière. Mieux, je pense, cette année. Pour une fois que LG sera au niveau sur ça. C'est le seul truc où ils sont au niveau.
Ils ont dit qu'ils sortiraient un Simpson tous les 2 ans, donc après avoir. Mais ça, c'est intelligent. Ouais, c'est intelligent. Au moins, ils peuvent vraiment apporter quelque chose. Voilà. Ils peuvent tenter. C'est pas sûr, mais ils peuvent tenter. En 2 ans, si tous les mecs se branlent vraiment. Excuse-moi, mais à mon avis, Samsung et LG se sont passés des RD entre temps pour équilibrer. On va faire un petit aparté pour Guillaume. Heureusement que le OnePlus 8 Lite n'a pas les plaques de cuisson, mais 3 à peine alignées. Je crois qu'on n'a pas vu la même chose parce que ça va être 3 trucs alignés. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le design du OnePlus 8 Lite, mais c'est moche. Je ne vais pas dire, je me comprends, mais je ne sais pas ce qu'ils ont cette année, les designers, mais ils ont décidé de faire des trucs extrêmement moches. Parce que là, on a une espèce de truc aligné, mais ça prend une limite autant de place que les 5 APN du A71. C'est peut-être par rapport au placement des composants, peut-être qu'ils essaient de trouver une solution. Non, c'est pas un problème de placement, là, c'est la largeur de l'encoche, en fait, du cartouche d'appareil photo. Comme le module photo commence à prendre de plus en plus de place avec tous les capteurs qu'on nous propose, il y a peut-être aussi. Après, Google, moi, ce qu'on ne comprend pas, c'est Google sur le carré, pourquoi ça prend autant de place pour 2 capteurs photo. Non, mais il ne faut pas se voiler la face. Leur zoom x8, il est énorme en numérique. Et au final, ils auraient juste proposé un capteur grand angle, placer ça dans un plus petit coin, et puis en plus de ça, faire un zoom x2 et x8 numérique, ils auraient été capables de le faire logiciellement. Je pense que Google, il risque de proposer quelque chose de lourd sur ce point. Mais c'est vrai que leur placement cubique comme ça, carré, c'est dans les tendances. Quoi. Et à mon avis, les modules prennent trop de place, il faut les caler sur le haut. Et le problème, c'est qu'au final, tu es obligé de sortir un design comme ça, plaque de cuisson. Quoi. C'est... Moi, je trouve ça tellement décevant, OnePlus, qui fait ça à un light, alors qu'ils étaient bien dans leurs bottes. Qu'ils ont toujours mis en avant le côté premium et tout. Et ouais, là, dire que nous, on fait du premium, et tu sais, en plus, du flagship killer, quoi. Enfin, on va dire, ça n'existe plus trop vraiment, ce terme-là. C'est un peu galvaudé, mais genre du bon smartphone à prix contenu. Je comprends pas trop. Et pourquoi Vertu? Donc, pourquoi Vertu? Parce qu'il y a Jason qui me fait... merde, j'ai perdu. Jason qui fait heureusement qu'il n'y a plus les tels Vertu. Leur design, c'était tué. À mon avis, il y a un téléphone à 20 000 balles en plus. Donc voilà, j'ai... pour Jason... Avec un plate de cuisson, ça devrait être trop fait, je pense. Alors, il y a Cyril aussi qui fait « Je quitte la marque Huawei pour un Poreno 2Z ». Alors, quitter une marque pour un modèle, c'est un truc qui n'est pas logique. Ça dépend quel était le Huawei que tu avais. Après, ça dépend le... Ça dépend oui, parce que si tu quittes un P30 Pro pour ça, bon... Après, dire que le 2Z n'est pas bon en photo, après on est à 350€, mais ça fait longtemps que j'ai pas testé le téléphone à 300 balles aussi. C'est pas exceptionnel, mais je rappelle aussi qu'on est en hiver, on n'a plus les mêmes qualités photo qu'on avait en été, attention. Mais le peu que j'ai fait quand même de belles photos. Mais par contre, c'est vrai que on sent qu'on n'est pas sur la même performance photo que l'aurait pour Reno 2. Mais c'est logique aussi. On est sur un smartphone qui est un peu plus moyen de gamme. Un P20 Lite. Un P20 Lite, oui, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ça fait... Voilà quoi. Pareil, ces gammes-là, light, là, chez Huawei, je les esquive, mais de ouf. Ah, moi aussi, mais moi, je peux plus. Tu as les prix 3A. Ouais, Pixel 3, oui, mais ok, le Pixel 3, il a quoi? Il a la photo pour lui. Ouais, ouais, il a un peu mais plus. T'as l'expérience Google, enfin, t'as les mises à jour. Ah, l'expérience Google, tout. Quand je vois un pote qui fait ses buggés partout sur mon Pixel 3. Depuis que c'est passé Android 10, le mec, il en peut plus. Il ne supportait plus son Pixel. C'était buggé de partout, apparemment. C'est vrai, parce que ouais. Moi j'ai madame qui l'a, le Pixel 3. Puis l'autonomie qui pue là. Ah oui, non, c'est vrai que le Pixel 3 il a une bonne autonomie. Bah après. Non, mais il n'a pas une bonne autonomie. Mais... Après, par exemple, le Pixel 3, tu as les grosses bordures, tu as le design plastique. Il faut ouais, savoir... mais plastique et plastique. Il y a plastique et plastique. Franchement, le Pixel 3, demande à Jason, il l'utilise. Moi j'aime bien. Après, moi, je suis pas anti-plastique. Je trouve que après, quand c'est non, mais je dis pas qu'il est bien fait, quoi. Je dis pas ça. C'est juste que on est quand même sûr en termes de choix. Un 2Z et un Pixel 3, c'est pas du tout la même cible. T'as ça, là, j'ai encore le Pixel 4 XL. Je suis désolé, même sur le Pixel 4, on a un verre qui fait hyper plastique. Et au final, c'est pour avoir un verre plastique qui tient hyper cru comme un plastique.
autant avoir un plastique qui fasse vraiment plus premium en main et qui est plus intéressant, je trouve, genre Mathieu, sur ça. C'est pour ça que mais en plus, comme tu mets une coque, enfin, moi, je mets une coque, quoi. Donc, C'est pour ça que je dis qu'entre un Oppo, le Reno 2Z, il a l'avantage pour lui, quand même, il est surtout dans le design. À 350€, on voit que c'est surtout le design qui a été conservé et que c'est le reste qui a été enlevé. Parce qu'on a quand même l'écran AMOLED, on a l'écran empreinte sous l'écran, on a le verre au dos avec les capteurs qui sont quand même sous le dos en verre, ce qui, quand même, a un certain coût, je pense, quand même. On a la pop-up caméra. Alors, face à un 3A, c'est tout le contraire, en fait. C'est l'interne qui a été conservé et la photo. Après, le 3A, t'as Android 10. J'ai un Oppo Reno 2 là sous la main et les gens leur ont dit. À quoi ça sert maintenant, je vais te dire autre chose. J'ai un Meizu 16e sous Android 8. Le fait que je sois sous Android 8, je m'en bats les couilles. Alors après, c'est peut-être moi, hein. Mais les mises à jour, les dernières mises à jour des Android. Voilà. Quand t'as une version qui tourne bien, après. Ouais, après, voilà, c'est tant que ça tourne bien aujourd'hui. Ouais, après, c'est une question de besoin, effectivement. C'est pour ça que. Tout dépend. Plus ça va aujourd'hui, alors certes, je décroche du smartphone, mais plus ça va, plus je fais attention à. Enfin, ça a toujours été. Qu'est-ce que le mec cherche ? Parce que oui, s'il cherche quelque chose qui ressemble à du premium et la photo, c'est pas très très utile, un Pixel 3, ça va pas lui correspondre. Par contre, si la photo est très importante, mais que le design, il s'en fout, là, oui, un Pixel 3, c'est plus intéressant. Ah ouais. Ouais, c'est, en fait, c'est pour ça que je tiens à faire cette différence. Ah, on m'a dit qu'on voulait t'envoyer un Note 5 en test. Ça t'intéresse ? Un vieux téléphone assez solide. J'ai vu un Galaxy S3 passer aussi. Attention, c'est du plastique. Mais voilà, bref, c'était juste ça. Mais tu peux mettre Lineage si tu veux, pardon. Le Pixel 3, il a que la photo. Après, c'est plus le Pixel 3, je trouve, par rapport à la concurrence. Et aujourd'hui, il n'a plus que la photo. C'est compliqué, hein. Et encore, c'est compliqué aujourd'hui. Alors, déjà, on a terminé 2019 avec le 7T Pro qui n'a rien de plus que le 7 Pro. Et là, on parle du OnePlus 8 Lite à combien ? 400 balles. Il y a les Xiaomi, 500€, c'est le prix du 7 Pro. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va être très clair. Hein. Aujourd'hui, on sent qu'on est sur un marché mature. Moi, ayant utilisé le Oppo Reno 2, bon, sur le 2Z, ça se ressent plus qu'on est sur un milieu de gamme. Mais ayant utilisé le Oppo Reno 2, je pense que GZ ou toi, enfin, vous allez. Je l'ai utilisé, ouais. La différence avec un haut de gamme. Non, c'est vrai. C'est je suis d'accord. 700. Et là, on arrive sur le 730, il marche super bien en plus. Il marche très, très, très bien. Franchement. Le 730, moi, je trouve qu'il fonctionne super bien, mais sur le A80, c'est. Ouais, bah sur le Oppo, et franchement, il fait du call-off et tout. J'ai pas joué des heures, mais Rudy, t'es sérieux ? Le Mi 9T, il fonctionne nickel. Par contre, le A80, c'était une catastrophe. Voilà. Ça, c'est Samsung qui maîtrise pas son sujet. Désolé, hein. Rudy, il y a un petit temps de latence, je crois, sur Messenger. T'es sur un autre horaire. Ah oui, pour le message, non, parce qu'il m'a demandé si j'étais là il y a une heure. La main des choses, c'est que je lui réponds, donc je lui ai répondu oui, je serai là ce soir. Mais je viens de lui répondre. En fait, c'est pas bon. Vas-y, on avance. Vas-y, on avance. Je te propose qu'on avance parce que. Ouais. Demain, je reprends le boulot. Je vais pas finir. Mais j'adore être avec vous. Hein. J'adore. Il y a pas de soucis. Je suis très, très content aussi. On avance. Alors, ça va être très rapide, mais c'est assez marrant. Le Xiaomi Mix Alpha reporté, le smartphone futuriste serait toujours prévu. Alors, donc. Bah, il s'en fout, il est futuriste. Donc, le futur, il peut attendre. C'est pas grave. Il est futuriste, mais pour quel futur ? J'aime bien ce terme futuriste. Bah, c'est dans le futur, donc bon, et s'il est en retard, c'est pas grave. Futur peut attendre. Comme le lapin. Alors, Abacus News, alors déjà, je connaissais même pas. Donc, direct, on pose la question à Xiaomi qui a répondu qu'aucune date de sortie n'est officiellement fixée. Eh hey, les gars, on va vous sortir un smartphone quand ? Voilà, c'est. Wouhou, cette année, elle commence en beauté, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Alors, on va faire un petit peu d'écouteurs, parce que là, j'en ai pas. Alors après, on peut... Ah si, pardon. Il y a le OnePlus Concept One, qui aura une caméra invisible. Alors, dans l'idée de ce qu'ils ont montré, alors ce qui est bien, c'est de faire du teasing de la seule feature un peu intéressante du smartphone avant qu'il sorte. Donc, sachant que tout le reste, on sait à peu près à quoi s'attendre. C'est quelque chose qui m'énerve, mais... Bref, c'est autre chose. Alors, allons directement sur le tweet qui montre la vidéo en question. Est-ce que celle-là ? Non. Voilà, ça doit être ça. Et en gros, dans l'idée, ce qu'ils ont montré, c'est une caméra qui se dévoile sous une... Alors, je ne saurais pas dire ce que c'est exactement, mais c'est une surface vitrée qui les cache. Et sa couleur... Technologie de verre à couleur changeante.
Alors oui, ça peut être intéressant, mais alors déjà, avant que moi je Quoi dise un petit faire? peu, salut Bams, voilà, je veux votre avis, vas-y, vu que tu as un petit peu commencé, vas-y, dis-moi tout. Moi? Oui, toi. Ah, en fait, ouais, pourquoi pas? Allez, il parle de concept, donc dans concept, je veux bien tout entendre. Après, autant on se doute bien pourquoi on voudrait avoir des caméras sous les écrans, on a bien compris l'intérêt du truc. Autant pour là, c'est pour la beauté du geste, pourquoi pas? Après, tu vois, le truc, c'est qu'il cache les caméras, mais il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette démarcation là, qui gâche un peu tout. Donc, soit t'as un dos uni qui peut rendre beau gosse et voilà, avec les caméras planquées, pourquoi pas? Mais autant, ouais, je sais pas, est-ce que ta R&D, elle a pas autre chose à faire que de faire ça? Je sais pas. Non, vraiment, t'as vu, j'aime bien Ça OnePlus, hein. Franchement, en plus, va être j'ai kiffé bon cette OnePlus. année. Ça va être bon. Non, j'adore l'Intel OnePlus. Le 7 Pro, j'ai beaucoup aimé de ouf, même s'il avait des défauts. Mais là, pour le coup, autant, je sais pas, autant ça fait pas rêver de ouf. Hein. Quelle action concrète, quel truc concret ça a là-dessus? Alors, il faudra voir le téléphone en entier. Je veux pas cracher là-dessus. Voilà, j'embrasse Vito d'ailleurs, au passage, pas qu'il va me traiter de connard, mais. Un petit peu quand même, mais c'est pas grave. Très clairement, c'est ouais, faut voir le tout. Faut voir le tout, mais je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Moi, je Alors. pensais caméra invisible, je pensais qu'ils allaient sortir la caméra à l'avant, là, invisible, avant un peu tout le monde avec le mode concept, ok, et ça allait être cool. Mais Mais non. je m'attendais à la même chose que Mathieu, en fait. Ils soient les premiers à sortir au droit public la caméra frontale sous Alors, l'écran. ce qu'il faut comprendre avec Là, OnePlus, très c'est que clairement, bah, après. c'est Des pas dans la capteurs qui se politique. cachent, qui Parce que tu apparaissent. vois, à ce moment-là de la vidéo, là, quand tu vois juste le début, là, tu penses à ça, en fait. Quand je tourne le dos, je dis merde, mais en fait, c'est vraiment les caméras. Après, est-ce que le teasing n'est pas travaillé aussi pour nous faire oublier justement que ce soit la caméra sous l'écran? Oui, parce que si la caméra avant, en Alors, plus, là, elle est non. planquée, là, je Bon, pardonne. alors, Enfin, là, première chose, appelle Vito, demande-lui de venir, qu'il nous donne des réponses. Je tiens tout Ouais, de tu suite vois. à vous déhyper tout de suite. Ça ne sera pas chez OnePlus qu'on aura cette technologie de caméra sous l'écran. Ce sera d'abord Oppo, parce qu'Oppo reste l'un des fers de lance de BBK. Et ensuite, ce sera OnePlus qui arrivera. Et on a vu sur la version T, 8T. Je pense plus à ça. Ça, c'est une première chose. Je sais pas, c'est bizarre parce qu'à une époque, quand même, OnePlus, ils avaient cette faculté d'avoir un téléphone qui avait une innovation. Genre, Non. je me souviens, il y avait le USB-C, le premier, c'était sur un OnePlus, mémoire. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, les Oppo étaient des milieux de gamme, là où OnePlus était haut de gamme. Là, très La clairement, caméra sur les l'écran, ce traitements sera plus photos pour le sont. Find X2. T'avais les Find 7, t'avais les trucs de haut Non, de Find 7, gamme. c'était vieux. Hein. Find 7, ça correspondait au OnePlus One. Et Mais ensuite, à le 7, partir il du peut Find sortir 7, avant. le Find 7, oui, c'est le OnePlus One est arrivé après. Et Hein. c'était le OnePlus 2 qui a eu l'USB-C. Et le Oui. truc, c'est qu'il n'y a eu aucun haut de gamme entre-temps chez Oppo. Du OnePlus 7, du Find 7 au OnePlus, au Oppo Find X, tu n'as eu aucun haut de gamme Oppo. Et donc, ils jouaient un peu en gardant ces gammes milieu de gamme. Donc, effectivement, là-dessus, oui, ok, on a l'USB-C. Mais pour tout le reste, pour toutes les grosses technologies, ça a d'abord été Oppo, et ensuite, ça a été OnePlus. C'est là, moi j'ai l'impression de voir sur Ticino aussi, ça rappelle l'édition McLaren, tu vois, Oui, l'aspect frappé c'est avec noir. McLaren apparemment qu'ils ont fait ça. C'est ça. Pardon. Ouais. Et en fait, voilà. En fait, si les capteurs photos se cachent avec un genre de fond et une fois que tu actives la caméra, ça te fait un vert qui laisse apparaître les capteurs, ça peut être joli en termes de design, ça peut être sympa. Mais toi, tu le vois pas, en fait, cette amélioration, tu ne le vois pas parce que tu regardes jamais l'arrière d'un smartphone. Enfin, sauf si tu te prends photo toujours avec Oui, l'arrière à mais l'ancienne tu prends quand même pour un apprécier. smartphone aussi pour son design et encore plus aujourd'hui. Mais le Voilà. problème que j'ai, pour rebondir un peu là-dessus, c'est que, alors l'idée est intéressante dans le sens où ça va permettre de cacher ce côté qui peut être un peu disgracieux. On va pas Ouais, être... c'est ça. Et puis c'est Voilà. sous l'écran comme les rayons. Mais Donc on voilà, comme les se Renault, et ça c'est cool. Mais le problème que j'ai, parce que là on a ce côté un peu waouh, parce que bah, c'est une altérité, enfin, c'est un peu waouh. Bon, nous on s'en fout un peu de la technologie, hein, on va être clair là-dessus au vu des retours. Mais dans l'idée, c'est un peu waouh quand même, parce qu'ils ont réussi à trouver un système pour cacher les caméras sans devoir les cacher sous une coque ou quelque chose ou ceci. Mais le problème que j'ai avec cette technologie, c'est qu'elle va clairement, je pense, devenir être de plus en plus présent. Parce que ça va être encore plus dans le sobre. Et comme on le sait aujourd'hui, ce qui est dominant, c'est le côté de plus en plus sobre d'un design. Aujourd'hui, on a trois designs différents qui se répètent entre toutes les marques. Moi, bon, déjà, ça me casse les couilles parce qu'il n'y a plus d'identité. Avec ce qu'il y a là,
Je pense que ça va juste tuer l'identité totale d'un smartphone et on aura le dos, seront tous les mêmes pour tous. Alors déjà qu'on n'a plus le dos pour arriver à se démarquer, là il n'y aura plus rien. Parce qu'on va pouvoir cacher les capteurs, ils vont tous le faire parce que ça va être joli, parce qu'on ne verra plus rien. Et tu auras un logo, tu auras une couleur et c'est comme ça que tu vas découvrir quelle est la marque du smartphone. Attends, parce que quand tu es en magasin, tu vois toujours l'écran. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir mettre l'arrière du smartphone en avant pour que tu puisses le reconnaître. Ouais, parce que déjà, si tu mets l'avant d'un smartphone en avant et que ce soit un vrai smartphone et qu'il n'a plus de batterie, qu'il est éteint, tu regarderas. Alors attends, cherche quelle marque et quoi va... Alors on va chercher avec les contours quelle peut être la marque qui est en question. Non, mais actuellement, déjà sur les smartphones, ils sont tous sans bordure, avec notch, etc. Bon, nous, on s'y connaît, donc on arrive à repérer les produits, mais bientôt, ils seront exposés carrément. Ce sera l'arrière du smartphone qui sera exposé, quoi, pour qu'on puisse les reconnaître et qu'on puisse apprécier un design. En fait, ce sera clairement ça, quoi. Oppo innove beaucoup. Alors, Guillaume, on ne dit pas que c'est Oppo qui innove beaucoup. On dit, on sait que Oppo innove beaucoup. C'est eux qui sont à l'initiative avec Vivo de beaucoup de nouvelles technologies, notamment la VOC, et donc la charge rapide, puisque c'est eux qui l'avaient initiée. Mais c'est surtout de ce qu'on disait entre OnePlus et Oppo qui innove le plus. Mais aujourd'hui, c'est surtout Oppo qui innove et OnePlus récupère quelques technos. Moi après, là, pour en revenir au sujet, moi, ce qui me fait un peu flipper, parce que bah, OnePlus n'est clairement pas le meilleur au niveau de la photo, ils ne sont pas non plus très mauvais. Hein. Je vous invite à aller voir l'Instagram de Mohamed qui fait beaucoup de photos avec du OnePlus et il fait des trucs très très bien. Le truc, c'est que souvent, jouer avec le verre sur des capteurs, c'est compliqué. Et ça, j'espère qu'ils ont bien calculé leur coût, parce que ça peut-être que ce verre-là, il va peut-être avoir un impact sur la prise de cliché. Et voilà, et j'espère que OnePlus a pensé à ça, plus qu'en se disant, ouais, on s'en bat les couilles, c'est un concept innovant, on va le sortir. Et tant pis si on soit un peu sur la photo. Vraiment, j'espère qu'ils vont faire attention à ça. En fait. On verra ça, mais après, tu vois, on n'a pas tout le design et ça se trouve en haut. Ah oui, non, c'est pas ça que j'avais plus en. Mais après, le truc, c'est que OnePlus a jamais été excellent en photo. Hein. Enfin, moi, je sais qu'il y a non, mais tu vois, ça, ce genre de délire-là, c'est un truc à te mettre de la difficulté pour rien. Si c'est. Ouais, après, si c'est bien fait, on spécule. Hein. On fait que de la spéculation. Ça se trouve, ça sera mortel et on en voudra tous. Mais c'est clair que. Quand t'es pas le premier de la classe et que tu tentes des trucs comme ça, après, bon, ils ont pour eux le mot concept, donc ils pourront dire c'est concept. Donc, oui, tant voilà. Pis. Si t'as un filtre rouge gratuit sur ta photo, eh ben, écoute, c'est cadeau. C'est le filtre Instagram intégré, offert grâce au verre du futur. Voilà. Et donc, de toute façon, c'est le futur. Voilà. Mais ouais, c'est casse-gueule hein, quand même, ce truc-là. Hein. Parce que ajouter du verre sur du verre sur du verre sur du verre. Alors, je ne sais pas quel est vraiment le procédé, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est que c'est un verre un peu spécial qui permet de c'est cacher un peu spécial les et modules. Qui peuvent gérer en plus de ça. C'est-à-dire que quand tu vas lancer l'appareil photo, ça va demander au verre. Et là, on voit un petit peu avec un prototype. Parce que là, ça a du proto, du concept. Donc, c'est en cours et c'est pour montrer un peu de quoi est capable de OnePlus. Et là, on peut voir qu'en gros, par un moment donné, paf, ça devient clair. Non, mais c'est comme dit Guillaume, hein, si les capteurs sous l'écran font qu'on a des qualités de photos dégueulasses, même pour les capteurs avant, c'est-à-dire moi je suis pas un fanatique du selfie, mais j'aime bien faire des photos de temps en temps avec des groupes, des copains et tout ça. C'est clair que moi je préfère très clairement retourner sur du caméra pop-up planqué pour même la caméra avant ou un truc comme ça, qu'une caméra sous l'écran qui me dégrade vraiment mes photos, hein, c'est clair. Tiens, t'as trouvé un truc qui montre un peu le concept du... Ouais, c'est un gif de la vidéo publiée par Wired. Ok. Ouais, donc tu vois, c'est du verre sûr encore... Là, en tout cas, c'est un proto qui montre. Après, oui, oui, c'est un proto. Intégré, ouais. Mais c'est une technologie qui fait qu'après, il faudra voir quel est le taux de... Parce que j'ai l'impression qu'on voit quand même une différence d'opacité. Enfin, pas d'opacité, mais de contraste. Ouais. On voit une différence entre les on deux. On voit que c'est un espèce de verre fumé. Si c'est le même principe, j'espère qu'au niveau de l'ouverture, ils vont envoyer du lourd. Hein. Bah ouais, ouais. En tout cas, au niveau des algorithmes, pour arriver à compenser ça. Mmh. Donc, bon, à voir. D'accord. Alors, je vous propose de rester avec moi pour un dernier. Après, vous ferez ce que vous voulez. Il y a peut-être un deuxième qui peut vous faire marrer. Mais déjà, ça, rapidement, retournons chez Samsung. Beaucoup de Samsung ce soir. Avec les Galaxy Buds Plus. Donc, il y a une date pour ces nouveaux trous wireless de chez Samsung. Donc, ah oui, les Buds. Les Buds Plus, attention. Ça rigole pas.
Donc, ce qui fait que, donc AirPods Pro avec la réduction de prix, blablabla, on s'en fout. Donc là, c'est connu sous le modèle 1.1.1, donc Bluetooth. Ainsi, cette nouvelle version, la réduction active du bruit devrait être la principale nouveauté par rapport à son prédécesseur. Donc la technologie consommant plus de batterie, on pourrait imaginer qu'il bénéficie d'une meilleure autonomie, sachant qu'il n'atteint pas une ouf de ce que j'ai entendu. Et le dernier devrait être proche de la précédente version. Prix date inconnue, mais bon, ça pourrait être à mon avis annoncé lors de de ce CES 2020. Je sais pas si c'était comme ça les autres années. Mais ce qui fait que ça devrait arriver. Est-ce que vous avez testé les buds? Non. Moi, vite fait, parce que Quentin, il s'était amusé à nous les faire tester. Après, j'étais pas du tout dans des bonnes conditions, parce que c'était au CES et tout ça. Ouais. Et après, d'après ce que dit Guillaume, Pépé dit qu'ils sont pas ouf. Beaucoup Je veux plus. bien le croire, en fait. C'était pas mal, mais c'était pas... Ouais, à côté, mais Jabra, je préfère, quoi. Très clairement. Les J'ai les avis sont pas 100... pareils si tu préfères sur les les bots. Jabra. Je sais J'ai pas les tester. 65T, moi. J'ai J'ai pas testé 65T. les Jabra. Enfin, c'est bon que j'arrive à. Je vois avec le Franchement, café du geek justement pour arriver à me faire une idée sur cela. Parce que c'est un peu ce qui me manque dans tout ce que j'ai testé. yes, hein. Il y a les Mais 75T, ouais, profites-en, hein. c'est le but. C'est de voir avec eux. Comme ils ont besoin de Mais com, profite. je vais revoir avec le café du geek. Après là, ils sont au Ceci dit, CES. Jason, je crois qu'il a envoyé des mails. Pour l'instant, il a jamais Putain, parti de putain. nouvelles de Jabra, je crois. Que bon, À quand il est le. dans le chat, peut-être s'il est encore là, qui peut nous dire, mais ouais. Bon, en Bah tout ouais, cas, pourquoi ouais, pas. ça va être intéressant d'avoir ton avis, mais très clairement, ouais, à choisir entre les deux, du peu que j'ai écouté les Buds, mais vraiment, j'ai pas écouté beaucoup, mon avis peut pas trop bien fonctionner, mais Après, de toute façon, je vais faire un test, pour un test, parce que personnellement, les trous wireless, je peux pas. Je peux, au quotidien, je peux pas. C'est pas possible. Guillaume disait juste que le mec d'Android Police disait qu'ils étaient décevants 65T. Moi, j'ai pas eu de problème Bluetooth. Alors, Ouais. le problème avec le Contrairement. Bluetooth, c'est que selon les puces, selon le téléphone utilisé, selon le centre Ouais. utilisé, c'est pas la même chose. Exemple typique, c'est ce que j'ai eu, ce que j'ai vu comme retour avec alors les KZ-E10, les fameux KZ, tout le monde le connaît pour ça, et ils ont sorti une version True Wireless. Alors, si j'arrive à avoir un truc pour les montrer, donc ils ont sorti une version True Wireless. Donc c'est assez, voilà, on sent que en fait il y a plein de drivers dedans, donc ce qui fait que la batterie est déportée à l'extérieur, blablabla, bref. Le problème c'est que en utilisation, alors je sais pas si tu connais, t'as les différents types Bluetooth qu'il y a en True Ouais. Wireless, c'est-à-dire soit avec un maître-esclave et puis maître il fait la liaison avec le smartphone, soit Exactement. le double, la double, comment, double flux, un pour chaque écouteur. Ouais. Et le problème, c'est que selon les tests, alors t'en as qui disent, oh, j'ai pas de soucis, ça marche très bien, etc. Et puis t'en as d'autres qui disent, oh, c'est médiocre niveau Bluetooth, c'est une horreur. Et en fait, le truc, c'est que par exemple, si je le mets sur mon Meizu 16e qui ne gère pas le stéréo plus, alors pour montrer un petit peu l'explication, alors True Wireless stéréo plus, parce qu'en plus de ça, chacun a sa technologie, hein, histoire de casser les couilles. Donc Qualcomm, ils ont leur technologie, Qualcomm True Wireless stéréo et stéréo plus. Et donc quand l'appareil est en mode stéréo, donc en mode classique comme on connaît, l'appareil maître, il a une connexion Bluetooth de merde, c'est ignoble. Mais quand je te dis ignoble, c'est-à-dire je le mets dans la poche, le truc c'est Ouais. Canal+. Ah oui. Moi j'avais un truc comme ça avec les Divacord des fois. Ça m'arrivait de temps en temps. Les Divacord, je pense qu'ils ont eu des problèmes à cause de ces trucs-là. Hein. C'est très probable. Et je sais pas T'es si bien j'irai sur le. Là, le. tu parles bien du maître et esclave, hein, c'est ça. Hein. Voilà. C'est le maître qui a après une connexion de merde, celui qui est relié au smartphone. C'est exactement ça. Ah, Et ok. ce qui fait que là, j'ai l'impression qu'en gros, tu as les 80% de puissance dans l'écouteur, entre le smartphone et l'écouteur, et 80 avec l'autre écouteur. Donc, ce qui fait que forcément, tu avais des déconnexions d'un peu de partout, et ça semblait être tellement léger en termes de connexion que ça coupait tout le temps, c'était une horreur. Et je l'ai connecté à mon Mi 9T Pro, qui est un Snapdragon 855, qui gère cette petite feature de merde de stéréo plus, et résultat, mais d'un coup, j'ai redécouvert le BE10 avec une connexion ultra stable. Une qualité de connexion excellente, beaucoup moins de compression. Et le truc, c'est que ce qui fait qu'entre deux smartphones, selon qui va l'utiliser, selon ce qu'il va connaître du Bluetooth, eh ben on pourra avoir ça. Et je vais tenter de faire une vidéo, je sais pas si je la ferai cette semaine ou pas, pour parler des codecs Bluetooth, pour parler de tout ce qui est en Bluetooth là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et parce que quand les gens me bassinent avec pourquoi ils ont pas mis d'aptX HD, pourquoi ils ont pas mis de LDAC.
Alors que très clairement, le meilleur codec qu'il y a actuellement sur Bluetooth, c'est l'AAC, parce que bah, il consomme pas forcément beaucoup et qu'il est mieux foutu. C'est Gavant. Et ce qui fait C'est celui que. qu'Apple utilise, hein, le AAC de mémoire. Ouais, le AC, en fait, le truc, c'est que c'est le plus économe, c'est le plus simple, parce qu'il n'y a pas de. Là où les autres trucs, c'est compressé sur la puce du smartphone, c'est envoyé à l'écouteur, et l'écouteur décompresse et écoute. Là où le AC, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de compression, il n'y a pas quoi que ce soit, c'est envoyé en direct et c'est en 256, ce qui fait qu'en plus de ça, en termes de bande passante, ça en consomme moins. Et donc, tu as moins de possibilités de perte de connexion de coupure. Donc, quand on parle de LDAC, bah, ça sert à rien, en fait. On s'en fout parce que Bluetooth, c'est pas assez performant. Et si on est sur du Bluetooth qui consomme plus, enfin, qui va être plus puissant, bah, ça va consommer plus. Et donc, on retrouve. Ce qui fait que c'est très complexe et pas grand monde y comprend réellement quelque chose. Donc ce qui fait que quand j'ai pu parler avec quelques personnes, j'ai pu un peu découvrir un peu tout ça et un peu tous les bullshit divers et variés qu'il peut y avoir. Et en fait, le délire des LDAC, l'aptX HD, etc. Déjà, on n'a même pas les drivers dans les 3DS, on n'a même pas les drivers suffisants pour avoir une bonne qualité sonore. Donc c'est. C'est un peu comme les Freebuds avec leur Bluetooth HD, mais bon, déjà que la technologie qui est utilisée par les Freebuds n'est pas ouf, dans le sens où tu es forcément très limité par le côté ouvert. C'est comme si, je sais pas, moi je te mettais un switch qui peut balancer du 1 terabit alors que tu as 10 mégabits en connexion, quoi. Ouais, c'est pas quoi, ouais, c'est mal foutu. C'est L'idée, c'est ça. mal foutu leur truc. Voilà, c'est Comme exactement. dirait les vieux. Donc voilà, après, je sais pas, est-ce que vous avez peut-être autre chose, vous avez peut-être vu autre chose, ou est-ce que vous voulez y aller, ou... Moi, je vais y aller. Eh ben écoute, ça dépend, tu restes combien de temps encore? J'ai 3-4 minutes en audio, ça peut être assez rapide, donc je pense j'en ai pour on va dire 20 minutes. Après, mais le truc, c'est que je vais pas pouvoir te suivre. Là, c'est quoi? C'est sur du KZ? Non, ça va être un peu plus connu, mais je pense pas que tu connaîtras quand même. Ouais, Mais ça non, peut être marrant. Il y en a j'avoue, un qui peut l'audio, être marrant après, c'est comme tu connu veux. pour bien, c'est pas connu pour nous. Ouais, l'audio, non, Non, il n'y a je suis pas grand de. public. Je suis grand Bah, public. Klipsch, si tu veux, j'ai du Klipsch et j'ai du Ibiso. Et il y a un bon plan sur du Sennheiser. Que je connais pas. D'accord. C'est-à-dire que même moi, Okay. tu vois, ces trucs-là, je les connais de nom, mais je n'ai pas testé. Bon, si moi je vais, si tu embrayes direct, je vais, ouais, non, je vais y aller aussi. Je vais en Non? profiter. Je vais essayer Pas de soucis. d'être. Vas-y, on Comme sauve. on se saute. Ouais. Non, de toute façon, on va plus rien dire après. Le mec, Va faire un monologue, on sera juste là pour la déco aussi. Voilà, Allez, si, exactement. si, si, un truc, je regardais juste le live et regardais le design de ces glitches. Bon, et ben moi, on va en profiter pour dire bonne soirée. Qu'est-ce que t'en penses, Bonne Peddy? soirée, bah bien sûr, Eh écoutez, bien, à bientôt. regardez juste l'image et après je vous laisse y aller. Et ça, c'est des trous wireless, les gars. Vas-y, vas-y. Regardez bien parce que c'est beau. Ce que tu es en train de montrer là? Oui. Ouais, c'est Skip, Ah ouais, c'est pas les trucs qu'ils ont dans Dragon Ball? C'est Non, c'est pas des scouters dans Dragon Ball. des squatters. Des scouters. Pour connaître la Mathieu, force de combat. ce qui fait que voilà, c'est très. Alors ça, là, ce que vous voyez là, c'est une paire de trous wireless avec la boîte. Bon, on est parti, Donc Mathieu, on voilà, va rester. je vais voilà. Bref, ce qui fait que merci en tout cas d'être passé, c'est super sympa. Merci à toi, PA. Merci de nous avoir reçus, PA, C'était dans un ton grand âme plaisir. d'honneur. Et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée, dormez bien et bon Yes. courage pour demain. Très Bonne bonne soirée à soirée tous. à tous. Merci à vous sur le chat d'avoir été là présent pour nous accompagner sur nos débats. Donc Tout est dit. ben voilà, merci beaucoup. Et pour le chat, restez, hein, ça continue. Bon, c'est de l'audio, vous pouvez vous barrer si ça vous intéresse pas. J'irai même rester connecté. Allez, bonne Ciao les gars. sur ce plateau de produits. À Bisous. bientôt. Merci. Bisous. Ciao. Ciao. Alors, continuons sur le côté audio, puisqu'on va parler de Klipsch, là pour le coup, un petit peu de CES, un peu pour toi aussi, Guillaume. On va en regarder. Demain soir, les cours du CES, mais on regardera ça. On regardera ça. Klipsch, c'est plus trop grand public, avec ce qu'ils vont balancer, c'est du grand public Qatar. C'est un peu ça. Ce qui fait donc là, donc avant même le début officiel du CES 2020, avec les Klipsch, vénérable et très atypique, d'ailleurs, c'est Guillaume Audio du Village qui a fait la news. En fait, il me l'a passé et j'ai vu ça, j'ai fait waouh! Et donc, alors déjà, pour commencer, ils ont fait un petit truc avec McLaren, donc un casque Bluetooth à réduction de bruit pour entrer dans la danse et une déclinaison de McLaren pour le luxe.
Donc ici, donc c'est autour de l'oreille, over ear, avec de la réduction de bruit. Ce n'est pas une première pour Klich, mais presque. Ainsi, la marque avait déjà commencé dès 2013 un casque filaire à la réduction de bruit assez peu convaincant, le M40. Ici, la promesse est tout autre, puisque le constructeur revient avec beaucoup plus de maturité. Le casque présenté ici compte ainsi se battre contre les grands du genre, les XM3, voire le futur XM4, le Headphones 700, le Sennheiser Movement 3, au programme Bluetooth, réduction de bruit avancée, une grande autonomie, design rétro typique de Klich et prise en charge du codec aptX HD. Le casque Sircom auriculaire a de très larges coques, bien que nous puissions le supputer, les branches raccordant les coques à l'arceau semblent faites de métal. Cette petite pièce est l'occasion pour Klich de faire parler de son amour à des couleurs or. Cette touche, sorte de touche rétro vient contrebalancer le design plutôt moderne du produit. C'est assez joli comme ça, mais ça fait beaucoup penser au design. En fait, on a l'impression que ça vient casser le design un peu connu. Ça me fait penser un petit peu aussi, en fait, au Sony, j'ai l'impression. La marque annonce surtout une réduction de bruit active permettant une atténuation de 40 décibels, un chiffre très théorique qui le placerait à la hauteur des meilleurs du genre, voire les dépasserait. Pour les deux paires, l'autonomie est annoncée de 30 heures, soit les chiffres du XM3 de Sony, par exemple. Donc, pour le reste, petit détail, coussinet à mouvement de forme, bouton d'appel, un câble USB-C, structure pliable. On aura droit donc à USB-C AC à aptX HD, le modèle prendrait donc en charge les HD. Ce qui reste assez peu face au Sony, un peu classique, face à l'aptX adaptative du Bowers & Wilkins PX7. Ce modèle hypothétiquement appelé HP1 est annoncé à 400 $, hein, ce qui devrait donner autour des 400 € une gamme de prix extrêmement concurrentielle qui ne pardonne pas les petits défauts. La version McLaren, que vous pouvez voir ici, j'aime beaucoup moins, utilisant des branches de couleur bronze ainsi qu'une petite touche fibre de carbone sur les coques, gonflant le prix à 550 $. Rappelons que ce modèle devrait être le premier d'une assez longue série Klich et McLaren ayant signé un partenariat. Une grosse concurrence dans les casques Bose, Sony, Klich et Microsoft. Après, on va voir aussi si Samsung avec AKG va réussir à se faire une place de connaisseur, parce que même le test des AKG N700, que j'aime beaucoup, bah ça n'a pas fait grand bruit. Alors, on a ici aussi les hop, ici T5, alors T10, T5-2, T5 Sport, T5 True Wireless, le grand jeu de la diversité. Donc là, on est toujours avec un design type Zippo. Donc le T5 Active Noise Cancelling, très peu de détails, mais il semble que ce produit soit la déclinaison de réduction des premiers T5 via un système à 2 microns par écouteur. Nous retrouvons les grandes lignes du design des écouteurs, s'affinant et s'affirmant, ainsi que l'arrivée de nouveaux coloris plus élégants, même si un peu moins kitsch. La boîte en inox procé. Alors là, cette boîte, elle est chelou. C'est quoi ce clip, ce chelou là? L'autonomie est annoncée de 6 heures avec un NFC 800. La boîte de recharge permet 3 recharges supplémentaires et le modèle il serait vendu dans les 300 $. Sachant que la version True Wireless classique, normalement Guillaume les a testés, ou en tout cas en cours de test, il n'est pas super convaincu. Donc à voir. En marge de ce produit, existerait et également une version sport des T5 qui sera en duo boîte écouteur totalement étanche. Alors la boîte étanche, ouais, je vois pas trop l'intérêt, surtout que pour les ouvrir, c'est casse-couille. La forme des écouteurs est clairement retravaillée par rapport au T5, visiblement plus proche chez des autres modèles sport, ce qui existe chez Bose. Et là, ce serait 230 $, avec système avec en fait pour maintenir dans l'oreille. L'édition McLaren aussi à 250 $ pour 20 $ de plus. Ok, ils ont mis un coloré qui coûte 20 $ de plus, avec écrit McLaren. Alors je veux dire, déjà chez OnePlus, il y a cette idée-là, et pour le OnePlus 7 Pro, il y a un petit truc en plus. C'est pas ouf, mais il y a quand même une recherche. Ici, c'est même pas des matériaux, c'est juste des couleurs, quoi. Là, on a quoi? Les T5-2 qui remplacent les T5, donc. Il n'y a pas de réduction de bruit, c'est à peu près les mêmes que les T5. Le design sera en revanche le même, les performances visuellement très proches. Ok, donc c'est juste en fait les T5 True Wireless, mais sans le True Wireless. Ok, et là, on a la version, les T10. Donc, les plus ambitieux de Klich, la boîte de recharge et les écouteurs ne ressemblent clairement à rien de ce qui existe à l'heure actuelle. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Très compact et intégrant l'ANC, donc le micro par écouteur, les Klich T10 ne dévoilent pratiquement rien. Ce n'est une utilisation de l'intelligence artificielle et des contrôles gestuels. Deux caractéristiques encore un peu floues. On retrouve une boîte de recharge à ouverture magnétique, donc ce qu'on retrouve assez souvent en fait. Et une autonomie simple. Simple charge de 6 heures. Le point le plus intéressant demeure son tarif, 650 $. Le prix est tout simplement colossal pour ce type de produit dont la durée de vie n'excède guère les 3 ans.
un prix qui fera surtout justifier par des performances sonores exceptionnelles. Et sur ce point, la marque précise une simple chose, que le modèle utilise le même transducteur à armature équilibrée que celui des Klipsch X10i. Un pari étrange, car le dit produit a maintenant presque 10 ans, les transducteurs de ce type ayant largement évolué. Ah oui, et on a une version à 1000 dollars pour la version McLaren. C'est juste horrible. C'est horrible. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce design, vous, dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Pour des trous wireless, est-ce que ça vous donnerait envie de les acheter? Parce qu'en plus de ça, il faut quand même débourser 650 dollars pour la version classique. Hein. C'est quand même énorme. Voilà. Guillaume qui fait beaucoup d'annonces audio au CES. Bah justement, je vais essayer de gérer ça pour le dimanche prochain et d'en avoir un maximum et de varier un peu avec les smartphones. Il n'y en aura pas forcément beaucoup, je pense. Mais je pense que ce sera intéressant. Mais déjà, on en a déjà un petit peu puisque ça en fait partie de ces nouveautés. Donc je pense qu'il y aura un peu plus d'informations lors de la sortie au CES. Donc à voir. Donc ce qui fait que déjà, voilà, on est sur ça, c'est assez drôle. C'est très très drôle même. Et ce qui fait que, aussi, chez Aibasso, donc là c'était le 5 janvier, alors je ne sais pas si eux seront au CES, mais donc on a des MP3 qui sont annoncés, alors c'est pas enfin des baladeurs audio, c'est pas forcément ce dont je vais trop parler parce que c'est pas quelque chose que je vais connaître correctement. Dans un cas, nous sommes déjà dans. C'est un muscle. Alors j'aimerais juste voir si on peut voir. Alors il y a un duo de convertisseurs ES9028 Pro, une référence bienvenue dans le secteur des haut de gamme, envahie des modèles Asahi Kazei. Le produit utilise des puces équivalentes, même si un peu en dessous des ES9038 Pro du modèle Astell et Kern. Bien qu'Aibasso ne précise pas, il est très possible que la marque utilise le même procédé que Astell, c'est-à-dire l'utilisation de décodage d'un même signal sur les 8 canaux de chaque DAC en simultané. Sa disposition est très énergivore, permet pourtant de larges augmentations, permet de largement augmenter le SNR de sortie. Le produit peut fonctionner entièrement symétriquement. Grosse dynamique, peu de bruit, ce genre de choses. Après, je ne saurais pas trop vous en parler, je préfère pas encore trop en parler, c'est quelque chose que je vais développer cette année. J'essaie de tester différents DAP. Notamment, il y en a qui vont arriver, je vous en montrerai après de ce qui va arriver via AliExpress en fin de live. Mais déjà, voilà. Alors là, on a de chez Aibasso un casque. Le SR1 n'avait pas été un casque anonyme, mais presque, sorti seulement à 500 exemplaires et jouissé de bonnes critiques sans être dithyrambique. Le SR2 changera peut-être la donne en affinant sa formule. Nous ne savons que peu de choses sur le produit, donc on peut espérer un prix autour des 400 à 500 euros, se conformant au modèle précédent. Structure très élégante, en aluminium, topologie ouverte. Coussiné circumoral et avec un vêtement cuir ou simil-cuir piqué, double arceau et repose tête élastique. J'aime bien ce casque. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais j'aime bien ce casque. Je trouve qu'il a une bonne petite gueule. C'est assez classique, mais je trouve qu'il a une bonne gueule. Alors après, est-ce qu'il va être un petit peu plus développé en termes de nombre de produits vendus, je ne sais pas. Les transducteurs utilisés semblent haut de gamme à plus d'un titre. Leur taille n'est pas précisée, mais nous savons qu'ils utilisent un système d'aimantation de type Tesla, sans être fondamentalement différent d'un aimant classique. Sa structure optimisée permet d'atteindre une induction magnétique de 1,15 Tesla sur les modèles. Là, je parle d'un truc, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de lire. Pour ne rien gâcher, le SR2 utilise une membrane carbone filter IFAE. L'IF est une fibre végétale, ce qui laisse penser que cette membrane est issue d'un composite fibre de carbone IF. Je ne sais pas ce que je suis en train de lire. Mais, ah merde, c'était pas ça qu'il y avait. Mais il y avait autre chose? C'était quoi? Attends, qu'est-ce qu'il m'avait envoyé? On va aller sur mon Twitter. Parce que. Il faut que je retrouve le. Il faut que j'aille sur le Shifi. Parce qu'il y avait surtout un truc pour vous qui me regardez pour le côté audio, le côté surtout intra. Voilà, Aibasso CF01. Ils annoncent ça aussi. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, ça ressemble beaucoup au TRN BT20. Donc, avec ce système où on va avoir ça derrière l'oreille, qui me semble assez gros quand même, avec ici cette partie-là qui va être moulée et qui va être en plus de ça, c'est... Voilà. Bon, c'est un câble de qualité en gros. Un fil de... Un câble, c'est pas un simple câble, comme vous pouvez voir, ça reste un petit peu enroulé. Ah, j'ai plus le nom, bref. Et donc, ce qui fait que ça va être par contre une connectique MMCX, seulement.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble y avoir une boîte qui va être fournie avec. Est-ce qu'on pourra mettre les écouteurs avec ou est-ce qu'on devra les enlever? Dans les particularités, donc, on est sur du Qualcomm QCC 3020, donc ce qui est utilisé par tous les derniers trous wireless que j'ai vus, en tout cas les modules de FIO et TRN, vu que c'est les mêmes, c'est ça. Et je crois que c'est même la même chose qui est utilisée du côté de, je sais plus quelle marque japonaise qui ont sorti que uniquement pour le Japon. On aurait donc une batterie de 24 heures avec la, voilà, justement la partie chargement, la boîte de chargement. Il est waterproof, donc on pourrait faire du sport avec. Donc on peut l'ajuster de la longueur. D'accord, ok. Et on a ce nouveau système de pin MSX qui est 4 fois plus, 4 fois meilleur en gros en termes de longévité que le MSX classique. Le prix inconnu, il n'y a rien là-dessus. Moi je table entre 50 et 100 euros parce que ça a l'air assez premium. On aura un bouton ici pour les allumer, donc ce serait vraiment derrière l'oreille, vraiment au-dessus. Donc c'est pas sur les côtés. Donc là-dessus, c'est peut-être un petit peu dommage parce que ce qui était bien sur les TRN, c'est qu'on a un bouton sur le côté. Donc on peut facilement l'atteindre. Là, vu que ça va être au-dessus, ça peut peut-être tirer ou il faut les tenir. Je sais pas ce que ça peut donner. C'est un peu étrange là-dessus. Donc à voir. J'aimerais bien voir s'il est possible de les tester. Donc voilà un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, ce qu'il faut savoir. Donc, chez Jade Audio. Donc là, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent et qui savent que j'ai testé les Jade Audio, alors je vais mettre eux à 3. Ils ont. J'aime bien parce que la recherche sur smartphone est meilleure que la recherche sur PC. Donc, on va aller sur mon compte. Vous êtes bien calme d'un coup. Alors, voilà. Donc en fait, en gros, Jade Audio, c'est une. Donc ce que vous voyez ici, c'est une marque en fait. C'est la sous-marque de chez. Bah, c'est ce qu'ils mettent d'ailleurs bien en avant, la sous-marque de FIO. FIO qui est quand même assez connue. Et donc, ici. Donc ce qui fait que là, les EA3, je devrais les recevoir cette semaine. Pour rappel, donc, ce sont des. Après, ils ont repris apparemment la qualité sonore des FIO FH1. Qui était qui date un petit peu maintenant. On t'écoute religieusement, c'est ce que je vois. Et donc le truc c'est qu'ils ont repris en fait surtout la même signature. Alors je vais vous la montrer, elle est un peu plus bas. Ils ont repris la même signature, les FH1 étant en dessous, ici c'est plus haut. Et ils l'ont amélioré avec comme nouveauté donc un meilleur driver, un driver de presque 14 mm qui est beaucoup plus récent et un tout nouveau driver armature équilibrée de chez Knowles. Donc Knowles à 35 euros, c'est plutôt cool. Et ce qui fait qu'on a un design qui est assez classique, hein, assez conventionnel, avec une connexion de pins, ce qui est plutôt agréable. Ensuite, que dire de plus? Donc là, on peut voir un petit peu comment c'est fait au niveau de l'utilisation. On est sur du 0,78 très exactement. Donc ça ressemble pas mal à un design qu'on peut retrouver chez KZ, etc. Ça a l'air d'être le même type de corps, etc. Donc je pense c'est très classique et c'est là-dessus où déjà ils ont fait des économies de prix. Et donc, on peut voir le gros driver ici avec la sortie. Donc, ce qui fait qu'on devrait avoir déjà ça qui peut être intéressant. On a ces petites plaquettes, on peut changer. On peut changer. Donc, ces petites plaquettes assez jolies. Donc, voilà. Un câble qui a l'air d'assez bonne qualité en plus de ça. Ils sont certifiés ARES, mais on s'en fout un peu. Et donc, voilà. Ce qui fait qu'on aurait 6 paires de. Super d'écouteurs, à quel prix les Jade Audio du coup? Alors, de ce que j'avais vu, parce que là ils sont hors stock, c'était à peu près 35 euros. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Alors, est-ce que c'est au lancement? Je ne sais pas. Mais de ce que j'ai vu, c'était 35 euros. On va rechercher là. Ah non, 45, pardon. 45 euros. Donc, c'est un peu moins de 50. Il y en a qui l'ont déjà reçu, ils sont agréablement surpris. Si Nick, si t'es intéressé, t'as directement. Je te mets le lien ici, comme ça tu l'auras. Et ce qui fait qu'en gros, il y a déjà des retours, dans le sens où on pourra voir. Attends, je sais quel. C'est dans les dernières pages, il y en a qui ont commencé à le recevoir. Il faudra que je mette mon avis aussi dessus. C'est la page 8 peut-être. Donc il y en a qui.
Il y en a qui ont comparé carrément au TFZ. Ok. Il y avait un très gros state page 7 alors. Il y avait déjà un gros retour qui avait été fait. Je crois que c'est ça, voilà. Page 7 de Silver Snake. Qui, pour faire simple, j'aime beaucoup les jets de duo EA3. Et il y a quelques petites choses qui seront à mentionner. J'aurais dire que les aigus pourraient avoir un peu plus de corps. Les mid-bass pourraient avoir un peu plus de punch. Et les bas médium un peu plus de corps. Donc ça manque un petit peu de corps, ça doit être un petit peu fin de ce que je comprends. Donc il y a encore des petites améliorations à faire avec le changement de driver et je pense que Fio a fait des améliorations qui changent dans le driver dynamique et la sortie sur les FH1S qui est plus cher que les EA3. Donc oui, bon, il les a partagés, mais c'est pas ouf. Après, on verra. Donc ce qui est bien après, c'est qu'on va avoir du choix. Le design, j'ai hâte de voir. Je devrais les recevoir, je pense, peut-être mardi. En plus, le driver, il ressort bien. Hein. La vache, c'est un gros driver. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Fio, c'est surtout une marque un peu grand public qui va passer par des revendeurs. Ici, les Jade Audio vont passer, comme on peut le voir, sur aussi. Voilà, ils sont aussi sur l'Express Fio. Mais là, ils vont être exclusivement dessus. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils ont sorti d'autres choses en fait. Moi, je pensais pour l'instant qu'ils avaient sorti qu'un seul produit. Ce n'est pas le cas. Et donc, non. Alors, on va aller. C'est pas le cas parce que on a aussi d'autres choses. On a un baladeur, le J1. Je ne sais pas si ça reprend un baladeur de chez Fio qui était déjà existant, mais en tout cas, ils en ressortent un avec un côté un peu tactile apparemment. Plus dispo par contre le A3. Pour l'instant, je pense qu'il y a eu un certain, il y a eu un certain succès, mais après aussi, nous par exemple, là, je vais le recevoir directement via Fio, via Edfi, qui a cherché des testeurs et qui les a envoyés. Donc ça arrivera peut-être un petit peu après, voire peut-être des modifications avant le lancement, je ne saurais pas dire. Donc j'attends de voir comment ça va être lancé, mais ça devrait être lancé bientôt. On a ça, on a le côté Bluetooth qui est présent aussi, qui va permettre de l'échange de données, se connecter par exemple avec un smartphone, et le smartphone là, et le MP3 là, qui va permettre de renvoyer l'information sur les écouteurs via le jack. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Salut Vexler, bah t'arrives à temps, bonne année, t'arrives à temps, puisqu'on parle un peu d'audio, là je parle justement déjà d'audio qui va un peu plus loin, avec qui n'a pas que des écouteurs en fait. Ils ont un DAC ici, alors je ne connais pas du tout, un Texas Instruments PCM 5242. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est ce qu'ils utilisent. Et un OPA 2322 pour la partie amplification, avec ici, je ne sais pas exactement ce que c'est ça. Et donc après, bon, ils gèrent plein de choses diverses et variées en termes de codecs. Donc c'est assez compact de ce qu'ils disent. On a une sortie 2.5, 3.5. Là, ça va être du micro USB et une carte SD, ce qui est logique. Display TFT, ok, ça c'est logique. On a 100 pas de contrôle pour le volume. Un égaliseur 7 bandes. Dynamique 107 décibels. 72 décibels en crosstalk. Je crois que c'est la stéréo. Batterie, on a 12 heures d'autonomie, batterie de 1800 mAh. Après, le SNR 113 décibels. Le THD plus L, donc le bruit, je crois c'est 0,003%. Je crois que c'est la distorsion, je suis plus sûr. Je reçois pas de notif, j'ai vu par hasard que tu faisais un live. Pourtant, j'avais fait un truc pour qu'il y ait le notif, mais c'est pas forcément obligatoire. Après, c'est tous les dimanches, là, c'est que ça a repris, vu que c'était les vacances, là, ça reprend, donc ça devrait être tous les dimanches. Ce que j'ai pris aussi chez eux, parce qu'il y a plusieurs choses. En fait, ils ont fait ça. Alors ils ont sorti des trous wireless à 50 euros. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas si je les testerai. C'est possible. Mais ils ont sorti d'autres choses que vous connaissez un peu plus. Le XC1, XC3 et XC2, et qui sont en fait des versions que vous allez, si vous connaissez un petit peu, des versions rebrandées de chez Fio, sans le NFC notamment. En fait, en gros, ils vont enlever une petite fonction Fio Official Store. Par exemple ici, voilà, le BTR1K ici. Et bien ici, c'est le XC2. Hop, ici. Voilà. Donc là, si on regarde, hop, hop, on a exactement la même chose. Voilà, c'est au même prix en plus de ça.
Sauf que par exemple ici, là, il n'y a pas de NFC. Par contre, c'est un peu con parce que là, ah oui, alors après, comme c'est les prix d'hiver, ils l'ont descendu. Mais normalement, celui-là est plus cher. Il est quelques euros plus cher parce qu'il a le NFC. Là, il n'a pas le NFC, ce qui n'est pas forcément grave. Et c'est ce qu'il montre ici. Il n'y a pas le NFC, mais sinon, c'est la même chose. Et le prix, normalement, voilà, c'est fille aux 50, ici, 30, 39. Et donc, après, on a exactement la même configuration avec là, ici, du Qualcomm QCC 3005, blablabla. On connaît bien. Mais ce qui fait que bah forcément ça peut être intéressant pour ça. Et ce qui fait que personnellement j'ai pris ici je les ai commandés il y a quelques temps de ça le XC3 qui doit correspondre au modèle ici. Ils le mettent. En fait ce qui est bien c'est qu'en plus de ça on sait à quoi ça correspond chez Fio. Ça fait 1 mois et demi que j'attends un DAC. Il est parti au moins le DAC ou pas? Parce que c'est la question. Tu regardes sur AliExpress, t'as bien le suivi? Parce que moi, si déjà il y a 1 mois il est pas parti, déjà je me fais du souci. Hein. Au bout de 15 jours déjà, je me pose des questions. J'attends jamais plus d'un mois que ce soit parti. Là d'ailleurs, il faut que je regarde si j'ai un partenaire qui m'a envoyé les choses. J'en profite au passage. Je vais vous montrer de toute façon, on va voir en même temps, je vais vous montrer. Mais ce qui fait que pareil, là on a le XC3 qui correspond au BTR3. Et donc je l'ai pris. Parce que je me dis que ça peut être intéressant si les prochains smartphones que j'ai, il n'y a plus de DAC. Je me dis que ça peut être cool. Oui, il est en cours, mais ça traîne. Ah, il est où dans le suivi? Regarde bien avec 24 tracks, voir si, où il est arrivé, si ça fait peut-être longtemps qu'il est arrivé à tel endroit. Moi, ce que je fais, c'est toujours via 24 tracks. Donc là, on peut voir avec les LED pour l'utilisation, ça va être la même chose. Là, on a un CSR 8675, ok. On a un DAC, le AK4376. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs au passage. Je me suis dit que ce serait quand même pas mal, surtout que bon, c'est sur un support spécifique, donc ça doit être bien optimisé. Normalement, Fio, c'est plutôt bien. Et donc, il y aurait ça. Et ce qui va être bien, c'est de pouvoir le connecter au smartphone, avoir une partie jack. Et si je dis pas de bêtises, en plus de ça, il est USB-C. Est-ce que je vais avoir l'information? Je crois que là où c'est du USB-C. Donc, je me dis que ça peut être sympa. Donc, ce qui va permettre, voilà, New Type-C connecteur. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Donc, Type-C du 3.5, assez compact. Et donc, ce qui fait qu'on a le AK4376 aussi. On a le mode USB DAC. On a une batterie de 300 mAh pour 11 heures. Et je me dis, voilà, quitte à. Vu qu'il faut, il va falloir que j'en fasse de toute façon cette année. Et surtout bah, pour les smartphones. Et je me dis que ça, pour commencer, c'est plutôt pas mal. Et donc, ce qui fait que bah, ça pourrait être bien à comparer. Fio fait du bon boulot. Bah là en plus ce qui est bien c'est que c'est pas Fio, c'est Jade Audio. Donc je pense que faire un partenariat avec eux, ce sera peut-être un petit peu plus facile parce que Fio ils veulent absolument que je passe par du revendeur, donc ce serait son vidéo, etc. en France. Donc là au moins ça pourrait être cool de pouvoir tester ce genre de choses. Donc ce qui fait que c'est commandé, faut le savoir. Donc c'est commandé, c'est pris chez eux. Mais en tout cas, voilà, je pensais que Jade Audio pour l'instant ils avaient commencé tranquillement avec juste des écouteurs. Mais voilà, ils font d'autres choses déjà aussi. Donc c'est assez intéressant. Meizu Hi-Fi Pro, ah oui, de même que Topping et SMSL. Oui, j'ai déjà vu ces marques-là. Et il va falloir que je m'y intéresse en tout cas. Il faut que je m'intéresse aussi aux marques un peu plus conventionnelles, on va dire un peu plus européennes ou américaines ou occidentales. Mais déjà, je mets un pied déjà dedans. Mais en plus, ce que j'ai commandé. Donc, il y a ça. Il y a, ben ça, on va regarder. Est-ce que ça n'a pas été encore envoyé? Il va falloir que je relance. Donc, déjà, j'ai fait un petit partenariat avec Kinera. On va commencer avec les Kinera Seed. Donc, Kinera Seed qui sont sortis. Il y a eu un test de ce que j'ai vu, un ou deux tests. C'est un petit peu moyen, mais ce sera bien pour commencer. Puis, une zone bundle. Ils sont dual driver, si je ne dis pas de bêtises. Et bah, il n'y a pas grand-chose. Et ce qui fait qu'après, on va voir si ça évolue. Là, ils sont à 40, environ 45 euros. Ils ont pas mal de petits choix. Et j'aimerais bien voir si par la suite, après, je peux tester les Kinera IDIN. D'ailleurs, j'ai regardé, j'ai pas regardé s'il y avait des tests dessus. Putain, vous êtes quand même 17 à regarder pour de l'audio, hein. Ça fait plaisir. En vrai, vous vous rendez pas compte, mais ça fait plaisir que vous soyez autant à regarder pour ça. Parce que ça reste de l'audio, c'est particulier. Et je suis vraiment content que vous suivez ça. Et les Kinera IDIN, et donc, ben, un petit peu, ça manque un petit peu de base, d'accord. Ok, bon, bah, ça, il faudra que je vois de mon côté. Et ils ont une bonne gueule en plus de ça, donc s'il y a moyen, je pense que je vais tester. Ils vont, en fait, en gros, je voulais prendre les deux au départ. Ils m'ont dit, vu que c'est un premier partenariat, salut Mohamed, bonne année à toi. Faudrait qu'on parle, faudrait que tu me parles sur Messenger, qu'on prenne des nouvelles. Faudrait que je te raconte, il y a eu pas mal de petites choses qui ont changé.
Donc, bah, n'hésite pas, tout simplement. Mais bonne année, j'espère que tout se passe bien pour toi. Enfin, voilà. Les Mezwifi Pro, il faudrait que je regarde. Ouais, il faudrait que je regarde le Mezwifi Pro, faudrait que je regarde. Je crois qu'il a 60 € en plus, donc ça qui fait un peu chier. Mais ça pourrait être intéressant. Mais j'aime pas les. En fait, au final, j'aime pas les DAC USB-C. Mais ce serait bien de tester ça. En tout cas, voilà. Les Kinect 1, ce serait bien pour la suite, sachant que c'est les Knowles en plus de ça en driver, donc c'est plutôt cool. Donc ça peut être sympathique. Qu'est-ce que j'avais ouvert aussi? Alors justement, il y a marqué Samsung Galaxy S10, je pensais pas à de l'audio quand j'ai lu ça. Attends, d'où t'as vu marqué Galaxy S10? J'ai pas suivi avec cela. Ah oui, alors il y a ça aussi. Alors il y a Fayal qui. Bah, je voulais tester. Alors normalement, c'est ce que j'ai pu prendre. Parce qu'en gros, ici, il restait encore quelques Lucky Bags, apparemment. Je pense que quand j'ai commandé, les mecs, ils ont vu. Non, non, non. Ah non, c'était la fin. Oh, je l'ai pris juste avant la fin. Et donc, il y avait plusieurs choix. Et donc, normalement, le dernier. Ceux-là, j'ai pris les C. Qui correspondent normalement, je dis bien normalement, et j'espère que c'est ça. Ton titre. Ah oui, bah en fait c'était en début de live en fait. C'est pour ça que j'ai mis à la fin glitch. C'est pour l'audio, mais je pouvais pas tout mettre. Je pouvais pas mettre que c'était globalement de l'audio. Mais j'ai parlé, en fait, on a parlé surtout de Galaxy en début de live. En gros début de live. Mais oui. Et au départ, c'était en fait, de 21 à 22, ça a été du smartphone. Et donc là, ce qui fait que j'ai pris. Je voulais le prendre déjà depuis un peu de temps. Et donc c'est les Fayal Hibiscus. Et je les ai enfin pris. Donc, ce qui fait qu'on va voir un peu ce que ça vaut. Sachant que je les ai eu donc à 30 au lieu de 45 €. Et donc, c'est un mono driver. Je pense que ça intéressera quelques personnes de tellement nomades. Avec un super câble de qualité, apparemment. C'est un putain de câble. Et le son est vraiment pas mal, apparemment. Donc, ce qui fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a été envoyé aussi. Et ils ont une bonne gueule en plus de ça. Ça va permettre de voir un petit peu face au Jade Audio ce que ça donne, et face aussi au Blond BL03, notamment, parce que c'est du mono driver, et comme sur Tellement Nomade, il y a une énorme hype sur les blonds, j'ai bien envie de voir ce que va donner face au blond cela. Faut que je t'enlève le T à glitch. Ah, faut que ouais, faudrait que je le fasse. Je le ferai lors du replay si j'y pense, mais c'est pas sûr. Mais ce qui fait que ça, en tout cas, c'est prévu, et le câble apparemment est de super bonne qualité. Donc j'ai vu qu'il y avait des très très bons retours dessus. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors c'est Fael Hibiscus. C'est le nom est par contre un peu chiant à écrire et à dire. Faut pas se gourer. Normalement, voilà. Et c'est en fait justement c'est Nymphomaniac. Alors il est très très exigeant. Il a des goûts très particuliers, mais il a trouvé que bah, la scène c'est très cohérent. Le son équilibré, timbre naturel, des voix qui sont présentes, pas de sibilance, des aigus naturels, très bonne construction, et le câble d'excellente qualité, mais attaque un peu trop douce, les basses qui sont un petit peu trop légères, c'est pas trop, il n'y a pas assez d'aigus, et surtout la résolution qui est correcte sans plus. Donc c'est quand même bien, parce que surtout que la note qu'il met, parce que je pense que ça va être des petites choses, il met quand même en son 8 sur 10, et il met globalement 9 sur 10 en termes de qualité. Donc j'ai hâte de voir, surtout face au mono driver, ce que ça va donner, ça a l'air plutôt pas mal. Donc déjà, il y a ça et ça. Alors il y a aussi ça. Donc là je suis parti sur un petit MP3, hein, et qui vient tout juste de sortir, et qui est proposé justement par AK Audio Store, que j'ai un nouveau partenaire, en tout cas on va voir si ça tient, que j'ai un nouveau partenaire, et qui donc est plutôt sympa pour plusieurs aspects. Alors, donc il a un côté tactile, donc c'est un écran tactile de 3 pouces, je crois. Transmission Wi-Fi, Bluetooth bidirectionnel, dur de tout avoir. Oui, c'est très très dur de tout avoir, et surtout de tout tester, c'est encore pire. Donc, on a droit à un processeur R4308 4 cœurs, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est du Rock Shield que je connais bien. Donc, normalement, c'est plutôt performant, surtout pour un petit truc comme ça, c'est pas mal. On a du 2,5D, un écran de 3 pouces. Donc là, on a de la recherche en Wi-Fi. Donc si on a des choses sur des serveurs externes, ça peut être recherché aussi là-dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. On a un égaliseur 8, à 8 styles sans défect. Ah, c'est à 10 bandes. Donc ça, c'est plutôt cool. 10 bandes. Donc sur 12 décibels. Ça, c'est plutôt cool.
Hi-Fi Master, donc. Alors après, DSD, je ne sais pas quelle est la puce utilisée. Un Max 4, 97 220. Ah, alors, tiens, je viens de le voir, je ne l'avais pas vu avant. 97 220. Direct Drive. SMSL. Ah, ce serait utilisé dans ce genre de truc. Oh. Bah, ça a l'air plutôt pas mal à ce moment-là. Si... Ah ouais, mais il y a un ES 9023. Je sais pas ce qui peut être utilisé par ça. Je sais pas si ça vous parle. Donc, il y a un Max 97 220 de chez Maxim, donc. Amplifier. Ah oui, c'est un nom. Ah oui, d'accord. Donc, on a le DAC qui est utilisé par le Rockchip et l'amplificateur par le Max, le Maxim Max 97 220. Donc, ça peut être plutôt pas mal. Il faut voir ce que ça va donner dans la réalité. Surtout pour le prix, ça peut être très correct. Et donc, ce qui fait que bon, on a une gestion du Bluetooth. On a une gestion du Bluetooth avec le smartphone. Ça peut être vraiment sympathique. Le côté 3 pouces tactile. Donc, ça, c'est cool aussi. Il va falloir voir la réalité des choses. Et 10 heures d'autonomie. Donc, ça, c'est plutôt cool. De l'USB-C. Et là, donc, on va voir. Là, il va falloir voir les langues, mais. Wi-Fi, après je sais pas ce qui est marqué en chinois, le lecteur. On a de l'OTG aussi. Ça c'est cool. On peut mettre une carte SD de 128 Go. En tout cas, assurer 128 Go. Donc on a un bac. Ok. Micro. Carte type C. Ok. 3 inch. 110 grammes. Je vais voir s'il y a peut-être une vidéo dessus. Si ça, après, c'est tout nouveau, donc je sais pas ce que ça vaut. Donc la marque, c'est le JWM115. Enfin, le modèle exact. Est-ce qu'il va y avoir des vidéos? Non, pas de vidéo. Tant pis. Je veux dire, avoir à la fois un son sans sibilance avec un rendu chaleureux et décontracté, et à la fois avoir de la haute résolution avec des attaques rapides, ce sont un peu des contraires. Alors ça, après, je ne saurais pas te dire, mais oui, je vois ce que tu veux dire, parce que si la partie aiguë est un peu en retrait, forcément, on va avoir quelque chose qui va être moins, avoir un effet un peu moins rapide, et on va avoir ce sentiment que c'est un peu moins précis, un peu moins détaillé. Donc ouais, je pense, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, parce que c'est ce que je ressens un peu avec les UFOR. Mais en fait, ça reste très détaillé quand même, et je sais que c'est parce que en fait, on a des aigus qui ressortent moins, donc on a moins cet effet de détail. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Et effectivement, je te rejoins, c'est un petit peu le contraire, c'est des choix. Après, je pense que tu as aussi la qualité des drivers aussi. Peut-être que la qualité du driver fait qu'on sent vraiment que c'est peut-être un petit peu mou. Après, vu qu'il met 8 sur 10, ça peut être quand même bien. Dernier produit, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier, ouais, dernier produit. Ici. Alors avec toujours donc les Kinera, mais c'est toujours chez AK Audio Store, il y a les Kinera YH623 qui sont des trous wireless. Et donc avec leur petite boîte, etc. Donc ce qui fait qu'ils sont à 60 euros. Ah oui, en sachant que le prix du MP3 est aussi à 60 euros. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Surtout que ça peut être bien et ne plus être dépendant du Meizu par exemple pour écouter la musique et avoir juste un smartphone à emporter tous les jours. Le truc con, mais je me dis que ça peut être sympa pour ça. On a donc le Bluetooth, la qualité Hi-Fi, donc avec deux Hi-Fi Sound Active Noise Cancelling. Donc on a de la réduction de bruit active et un driver apparemment de qualité. Donc si, donc là ce qu'ils mettent c'est 6D Sound. Apparemment on a droit à une scène qui est très large et une présentation très détaillée. Ok, ça c'est ce qu'il faudra voir. Qualcomm Audio Decoding, Lower Latency, Better Fault Tolerance. Donc, Lower Latency, alors Quick Connection, qu'est-ce qu'ils disent? HD Call, Long Battery Life, Warm Firmly. Donc ça, ouais, ok, Stereo Surround, ok, Hi-Fi Sound Quality, oui. Bluetooth Low Energy. Donc c'est. Ah, il y a quand même le Bluetooth Low Energy, donc ça c'est intéressant. Batterie capacité 550 mAh, 1 mA et 400 mAh pour la boîte. Ok, donc ça après ce sera à voir, mais en tout cas ils ont de la gueule. À voir ce que ça va donner. Sachant qu'ils sont tout nouveaux aussi. Je sais pas si ça a déjà été testé, mais ils sont très récents. Ifigo, non. Ouais, ça date d'octobre. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des retours ou pas du tout? Tiens d'ailleurs, Lazada, je voulais voir ça.
J'ai déjà investi chez Hero dans 4 DAX. Si les petits DAX chinois s'avèrent aussi perf que les intra-chiffis, je sens que je vais pleurer. Et d'où le nom, on ne peut pas tout avoir. La polyvalence absolue n'existe pas. Bah, les UFOR, faudra voir. Mais les UFOR sont assez ouf là-dessus. Alors, Lazada, j'aurais regardé ce que c'est parce que KZ s'est lancé dessus. Ils ont ouvert le partenariat. Ok, Lazada, c'est du. Ok. C'est à la Gearbest, etc. Ah non, c'est un peu. D'accord, ça l'a. Ça l'a l'Express. D'accord. Je découvre en même temps parce que je me suis posé la question. Mais alors, il y a Lazada, mais après, il y a plusieurs pays. Catégorie Global Collection, celle-là. Lazada, ah, c'est pour l'Asie, ok. C'est uniquement pour l'Asie. Singapour, par exemple, si on prend Singapour. Voilà. Ok, après, on a les prix forcément liés à dans les 24 dollars, etc. Ok. Et alors, attends, c'est quoi les 4 DAP? Alors, déjà, pendant que tu dis les DAP en question, ça m'intéresse. Pour finir, alors, le Meizu Hi-Fi Pro. Alors, là, pour ici. C'est celui-là. Ah, il a 36 euros, il a descendu un petit peu. Je vais me le mettre de côté. Je vais voir. Je sais pas. Attends, comment ça à 21? Genre, il a 21 là? Oh, il y avait des trucs avec. Oula, oula, oula. Hyper. Hop. À 16,22. Par contre, j'aime bien parce que le câble ici est assez bonne qualité. C'est du tressé. Il a 23 euros. Ah, c'est qu'il y en a plusieurs en fait. Voilà, il a 37, ok. Regardons, regardons, je regarde si. Parce que là, il y avait les écouteurs qui étaient proposés avec. Tadbus Mix. Ah oui, non, c'est pas Meizu ça. qu'est-ce qu'il y a dedans? DAC chipset Qualcomm. Quoi? Et tu dis du Qualcomm dedans? Mais c'est pas possible. En plus, comme on s'est mis, c'est pas du Qualcomm. Oula, ça semble très très faux tout ça. Ça pue un peu. alors. Meizu Xiaomi Global Store, d'accord. Meizu officiel, tiens. Est-ce que sur Meizu officiel, ils vendent des écouteurs? Non, ça a l'air d'être que les smartphones. Alors là, ah, non, c'est un, ok, là c'est du Bluetooth. Non, ils ont pas. Là, non, c'est le Meizu Official Store, donc ce sera pas autre chose. Meizu IEM. Alors, là vendu. Est-ce que. Ah, c'est les Meizu Live qui sont proposés, ok. J'aimerais bien les tester quand même, les Meizu Live. Je sais pas si Yetfi les a testés. Enfin, j'ai pas tardé à arrêter parce que je commence à avoir les yeux qui commencent à en avoir marre. Non, ça a pas du tout été testé. Faudra que je vois si j'arrive à mettre la main dessus. L'interface est identique à Ali. D'accord. Ouais, c'est peut-être. Ouais, c'est. Ouais, je vois que c'est. J'ai vu que c'est ce que ça donne sur le chain review, ça se défend très bien. Ok, bah, il faudra que je vois pour les Meizu Wi-Fi par la suite. Ce sont des modules. Ah, attends, que je regarde le Meizu Fio FX7, j'ai oublié depuis. Merde, c'était ça que je voulais faire.
Ah oui, la partie ici, elle est modulable, ok. Ouais, ok. Là, c'est... Ah oui, c'est épuisé, ok. La pro en tressé, la non pro en non tressé, ok. Après, il vaut mieux en tressé, rien que pour que ça tienne dans le temps. Hop. Un baladeur de fil qui vise tout sur le son. Ah. Oh, il est joli. Oh, putain, il est 700 balles. Oh la vache. Restitution à fessier fidèle, extrêmement puissant, dynamique bien respectée, double emplacement, nombreux formats audio compatibles, automobile flébard, la molette difficile à maîtriser sans autocollant ajouté. Ok. Traduction française douteuse, écran qui aurait pu occuper plus d'espace. Très peu de fonctionnalités, pas de sous-menu, possibilité d'organiser les fichiers ou affichage des informations, par exemple, massif. Oui, en fait, c'est. On dirait un Zishan. Colorfly. J'ai déjà entendu beaucoup parler de Colorfly. Colorfly. On dirait. Oh, le dos est joli. Putain, 800 balles neuf. Ah oui, t'as investi dans du cher quand même, la vache. T'as l'argent pour. Hein. J'ai tout acheté en occasion. D'accord. Bah, après, il faut quand même les sortir. Hein. Après, j'avoue qu'il y a un certain style. Je pense que le côté rétro, il doit y être pour quelque chose. C'est pas mon truc du tout. Putain, par contre, c'est. Oh la vache! T'as une double sortie comme ça? Ah ouais, mais il doit être un peu mastoc aussi. Quoique, non, quand je vois la prise. Non, il est assez compact. Après, il est un peu particulier en termes de design, mais je peux comprendre qu'on peut aimer. C'est pas pour moi, mais je peux comprendre. Effectivement. Bah après, qu'est-ce que. Tiens, juste, je vais regarder juste par curiosité. Et après je vais aller. Alors, on va faire plutôt. Non, même. Non, je fais de la combien? On va remettre. On va chercher ça et on va regarder ce qu'il y a d'autre. Je vais juste par curiosité regarder ce qu'il y a d'autre en DAC, histoire de m'y intéresser un petit peu, mais là je suis content, je vais pouvoir prendre plus le temps cette année de tester des DAC divers et variés. Je pense que ce sera plus marrant. Allez, on descend, descend, descend. Tempotech. Ah, ça ressemble beaucoup à du Fio, j'ai l'impression. Après, ils se ressemblent peut-être un peu tous, mais. Deux micro SD, d'accord. Le bouton power, de l'USB-C, ah, c'est un peu sympathique ça. Ça a l'air d'être simple. Là-dessus, ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à regarder? Que je connais pas forcément. Ah, j'ai vu ça. Ah oui, non, mais 180 balles. Ça a l'air plutôt simple et joli. Ça a l'air d'être assez efficace. USB-C aussi, ok. Ah, par contre, c'est quoi du Balanced? Et là, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Ça a plutôt de la gueule. Fio fait figure de modèle dans le bateau chinois. Bah, après, c'est assez propre. Regarde pas les Astel. Ah oui, oui, je les ai vus là. Tu parles du SP1000. J'en ai vu un en vrai de SP1000. Putain, c'est monstrueux. Oh tiens, ça c'est toi. Ah tiens, et regarde. Ah oui, faut que je te montre toi. Parce que tu as les Shower Tape qui sont sortis, mais il y a d'autres Shower qui ont été annoncés. Ça peut t'intéresser. Je vais te les faire acheter. Mais Donc, ils sont sortis à 70 balles, et en fait, regarde, donc c'est du détachable en deux piles en plus de ça, ce qui est plutôt cool pour un système comme ça. Et en fait, c'est aussi de l'électrostatique, mais dans un driver comme ça. En fait, pilote électrostatique. Donc, je me dis que ça peut peut-être t'intéresser, surtout à comparer face au Shower Tape. Ça peut être cool. Bon, par contre, ils ont écrit un peu trop de choses. Mais le câble en plus a l'air de bonne qualité.
On a même un adaptateur. Je me demande si c'est pas un adaptateur pour du 2.5 ça. On a même du filtre. On peut même changer de filtre. Hein. Ah, ça fait. Quand j'ai vu, j'ai pensé à toi. Là, je viens de le revoir. Donc, bah, j'en profite. Il faudrait que je vois. Les deux audio stores, peut-être, je sais pas si ils seraient intéressés pour du YouTube partenariat, mais je me dis que ça pourrait être intéressant. Les prix sont monstrueux. Bah, les prix, ouais, c'est la notice sur l'écouteur ou quoi. je sais pas si. Singer's Voice, mais je crois que c'est pour dire, hé, hey, regarde, c'est trop bien parce qu'il y a tout ça. J'arrive pas à voir ce qu'il y a d'écrit, c'est chiant. The Auditorium 1, The Singer's Voice, Dissolving to the Euphoria, The Envelope, So Your. En gros, c'est un petit peu le super gros slogan de bâtard. je savais qu'il y avait des modèles plus haut de gamme chez Shure, mais je savais pas qu'il y avait des modèles moins onéreux. Bah si, alors. Bah, j'ai vu ça il y a pas longtemps en fait en regardant sur le forum Edfi. Dédié à ça. Après, les premiers que j'avais vus, moi, c'était ceux-là, les S10 qui sont en triple driver. T'as un S10 aussi qui est en double driver. Donc, comme ici, là. Il y a ceux-là. Donc, et ceux-là, en fait, sont sortis il y a pas longtemps. Ouh, il y a. Oh putain, la vache! Il y en a un qui a 700 balles. Les Shure, quoi? EJ07. C'est la notice. Ouais. Ouh, il y a un système là. Ah, c'est peut-être juste la ventilation. Il y a un truc tout rond là. Le câble, oh putain, le câble tressé, il a la classe. Il y a toujours ce truc piano. Par contre, ils disent pas exactement ce qu'il y a dedans. DDBA hybride. Alors, électrostatique DDBA. Alors, ah oui. D'un tweeter électrostatique Sonion, quad. D'un pilote Dynamic Shure de 10 mm et d'une double armature mi-équilibrée. Knowles est d'un croisement à trois voies pour une performance sonore précise et détaillée. Ça, c'est du Sonion en plus, je sais pas si l'autre c'est du Sonion aussi, mais. Voilà, bon bah écoute, va falloir que tu s'économises encore un petit peu. Hein. qu'est-ce que je voulais. Ah oui, c'était ça à la base. Pénon audio. Les Zishan, alors je peux dire, le Zishan T1, plus ça va, plus je l'apprécie. Et ce qui est intéressant, c'est que les blonds BL3, BL03 là-dessus marchent vachement bien. Les Yingyu V2 aussi, et en fait, c'est là où on se rend compte que certains intrants ont besoin d'une putain de source audio pour qu'ils ressortent réellement bien. Et dans le sens où, bah, vu qu'ils ont une putain de source, ils vont beaucoup mieux faire ressortir leur qualité par rapport à une source un peu plus moyenne. Et là, pour le coup, je suis très content d'avoir le Zishan T1 parce que ça permet de faire ressortir ça. Comme mon DAC qui vient de chez Ali semble bloqué plutôt en France. Je suis réticent à expédier quelque chose, mais sinon les tests, ce serait pour bientôt. Bah après, c'est quand tu veux. De mon côté, je sais que j'ai pas de soucis avec la poste. Eux, ils sont pas en grève chez moi et ils sont fiables. Donc après, toi, je sais que c'est peut-être un peu particulier. Je sais que tu peux avoir un petit peu peur, mais t'inquiète, hein, y a pas de souci. Ils semblent bloqués plutôt en France. Ça, c'est intéressant parce que il est bloqué à l'aéroport, parce que moi, par exemple, il faudrait que je regarde un peu parce que je vais pas le montrer à tout le monde, mais. Les Jade Audio, ils sont arrivés là. Ils sont arrivés le 3. Ah oui, non, c'est pas là qu'il faut que je regarde. Edfi. Je vais regarder au passage, j'en profite juste rapidement. Bon, là, je dois le voir sur le site de La Poste. Si le site de La Poste n'est pas buggé, ce qui est souvent le cas. La Poste. J'ai un vieux truc de chargement sur La Poste, c'est horrible. Et ça reste dessus, je peux jamais chercher. Il faut que je cherche via un autre système. Là, non. Hop, on va y arriver. Aucune information trouvée. Ah.
Oui, c'est vrai qu'il faut que je passe par Chronopost pour avoir mon colis. C'est pratique. Comment ça, elle est pas trouvée? C'est quoi ce bordel? C'est toujours une histoire d'association. Comment ça, d'association? Ah oui, je vois ce que tu veux dire, pardon. Bon, c'est toujours. Je verrai ça demain. Oui, je vois ce que tu veux dire après, mais là où je le trouvais un peu moyen sur mes autres DAC, mes autres, etc., là, ça ressort vachement bien. Mais c'est intéressant. J'ai hâte d'en parler un petit peu. Alors, le flingue là, je trouve que. Alors, non, pas dans cette couleur-là. Je trouve qu'il a une certaine gueule. Alors, je crois qu'il est un peu vieux. Je crois qu'il est sorti déjà il y a un peu de temps. Et il est antipsy quand même. Mais c'est très particulier, on dirait presque un truc que tu. C'est presque un Tokiwoki, le bordel. Si tu mets un DAP pointu tranchant avec des intras qui le sont déjà comme le rendu, je regarde du coin de l'œil les CCA C16. T'auras le mauvais côté exacerbé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Oui, après, bah, c'est pour ça. Bah, ce qui est bien, justement, c'est que là, entre les deux DAC, le Zishan DSD et le Zishan T1, ils n'ont pas la même signature. Parce que le DSD, il a un côté un peu plus chaleureux. Le T1 est beaucoup plus neutre, est beaucoup plus, bah pour le coup, un peu plus tranchant, mais ça reste bien fait. De ce que j'ai vu, c'est l'un des meilleurs choix à moins de 200$. Et ce qui fait qu'on sent cette différence, et on sent cette grosse différence, et je kiffe limite plus utiliser sur, écouter via mon Meizu, le. C'est vrai que j'avais vu ça. Écouter via mon Meizu, le son un peu électro, un peu plus fun, plutôt que via le T1. Ça peut dépendre, en fait, ça dépend après ce que je cherche, bien évidemment. Mais il y a ce côté un peu plus fun. Shenzhen, hashtag. Hein? D'ailleurs, il est pas mal, hein, ce petit câble-là, il est pas mal du tout. Non. Oh non. Bon bah. Allez, bah écoutez, si vous voulez un petit câble hein, en MMCX. Ouais, MMCX. Ah, ça va être. Si vous voulez ce petit câble pour pas trop cher, eh bien, je vous propose de l'utiliser. Parce que je crois qu'il a 15 euros normalement. Il est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai la même chose du côté d'Inu, c'est le même câble. Et il est plutôt cool. Si tu mets des blancs qui sont assez décontactés avec un DAC pointu, ça passera bien. Ah, c'est peut-être ça, hein. Et ne pas oublier la partie amplificatrice. C'est peut-être ça. D'ailleurs, j'ai testé un truc. Des entrées et des casques avec un trou-plein de milliwatts peuvent s'avérer agressifs aussi à cause de ça. Ouais, c'est. Je vois un peu ce que tu veux. Il faudra plus en parler, je pense, en mail, on pourra un peu plus communiquer. Mais de ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est que sur, par exemple, les C16 avec les T1, comme les C16 sont très très sensibles. J'ai la partie gauche, donc je pense que ça doit dépendre aussi de la partie amplificatrice, et peut-être que l'ampli de gauche doit être un poil plus balancé, un poil plus de choses, ou le C16 de gauche est un petit peu plus sensible. J'ai un léger son, pas strident, mais un léger son dans les aigus, par défaut. Donc j'explique pas, mais. Et à l'inverse, des intras et des casques sous-alimentés font se montrer plats, mous et sans vie. Ouais, ça, j'ai eu ça avec. Alors ça. J'ai même quelque chose d'un petit peu plus particulier. Je sais pas si tu connais cela. Zine. Si tu connais. Non, bah, il les trouve pas. Tu peux pas me trouver les Zine. Pas de soucis, t'as mon mail. J'ai ton mail. Après, il faut que j'y pense en fait sur tout ça. Putain, ils sont revenus vachement cher! Oh la vache! Oh, c'est sérieux ça? Ah non, c'est un peu plus normal. Ce qui fait que les IN 75 000, alors je les ai. Et ah, d'ailleurs, je voulais les. Je crois que je vais les retester là. Les Z5000, en étant sous-alimentés, donc en étant par exemple sur mon Meizu, je sais plus quel. C'était une Meizu Pro 6 Plus. Clairement, en fait, c'était avec un aimant Tesla. Et le délire en fait, c'est que avec le côté Tesla, enfin l'aimant Tesla, je pense que c'est dû à ça en tout cas. Quand vous étiez mal alimenté, il y avait un côté très 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 basseux. Et en fait, c'était une basse qui était très extrêmement puissante dans le sens où
Elle n'était pas extrêmement élevée, mais par contre, tu avais un souffle qui se faisait ou une vibration qui se faisait qui était extrêmement fatigant. Ce qui fait que j'avais détesté les Z5000 personnellement. Je les trouvais très trop particuliers et je ne comprenais pas le côté encensé de Dark Unicorn là-dessus. Et bah avant, c'était Dark Zenith. Et ce qui fait que là, maintenant, comme je vais les retester là d'ailleurs. Je crois que j'ai la trousse qui est pas loin. Je vais les retester là. Et ce qui fait que c'est beaucoup mieux quand on a une excellente alimentation. Et je pense que même avec les T1, ça va super bien passer. Faut que je regarde. Parce qu'ils sont encore d'actualité pour moi, en tout cas. Et c'est vrai qu'ils ont peu passé avec tout ce qui est sorti entre-temps là-dessus. Donc, et ouais, il y a tellement de choses à tester. J'ai cette chance de pouvoir faire les tests. Mais il y a tellement, tellement de choses. C'est abusé. Allez, je regarde un dernier truc et j'arrête parce que sinon je vais abuser. Tesla, c'est la mesure de puissance des aimants. Bah, ils appellent ça des aimants Tesla. Donc, je pense que c'est des aimants assez puissants, spécifiques, je pense. Mais après, je t'avoue que je ne connais pas assez. Shanling, ils ont me plaire un petit peu comme Fio. Ça a l'air d'être difficile un petit peu de tester. J'aimerais bien tester en tout cas. Je sais pas si ce sera possible. Mais il faudra que je vois. Il va falloir que je vois cette année de façon pour faire un truc avec. Avec son vidéo. Et je verrai entre autres, ils doivent avoir du Shanling, je pense. Ça te dit tout près. Il faut regarder l'impédance et la sensibilité des drivers. SPL, ça te dit tout presque de ses besoins. D'accord, bah, faudra que je regarde. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que je regarde. Je suis vraiment le côté très grand public pour le coup. Et je m'intéresse assez peu à tout ça. Je n'y connais rien, donc je préfère pas trop m'y pencher. C'est un petit peu. J'ai pas encore pris beaucoup de temps pour. Pour mettre dedans, je regarde de loin, mais je suis vraiment un espèce de jojo dans l'audio, donc on fait avec. Là, je t'avoue, je regarde les trucs, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et j'ai besoin de prendre mon temps. Et il va falloir que je vois ça cette année pour prendre mon temps pour sortir tout ça. Genre, les tinifipiens sont super durs à alimenter. Ah oui, c'est ce que j'ai vu apparemment. Parce que bah, tu vois, pour le coup, les. Ouais, après, enfin les. Merde. C'est quelle marque que j'avais testée avec le type de driver? Elle est RHA, celle 2, avec le bezou, il passait très très bien. Alors peut-être que justement, c'était le bon combo, mais il n'y avait pas besoin d'une grosse alimentation. Alors peut-être qu'avec les T1, ça passera mieux. Mais ce serait intéressant de voir. Je sais pas si je pourrais tester les P1, mais il faudra que je vois. C'est pas compliqué, juste habitué aux chiffres, à force de comparer, tu te fais l'idée. Bah oui, après, comme j'ai pas encore assez de comparaison, justement, va falloir que je regarde ça avec un peu plus de précision. Et c'est un peu le but aussi, de tester tout ça. Enfin bon, il est quelle heure là? Oh, il est 18. Je vais arrêter là. Je regarde un petit peu tout en ce moment. Je vais arrêter là en tout cas, je pense. C'était déjà très bien, mais c'est très cool en tout cas d'avoir été autant à être resté. Il y en a quand même la moitié qui sont partis, mais c'est logique aussi. Hein, c'est justement pour ça que je fais la partie audio en fin de soirée. Mais ça c'est ah oui non promo. Il y a iGo, j'aimerais bien tester X Duo qui ont l'air sympa. Ça tiens c'est un petit truc comme ça a l'air tout con mais je me demande vraiment si ça peut être cool à tester. En vrai j'aimerais très beaucoup tester ce genre de conneries. Par contre derrière LR, tu vois, je balance en. Je sais pas, j'aimerais beaucoup tester juste pour le fun un truc à lampe. Je sais pas ce que ça donne, mais j'aimerais bien tester. Ça c'est quoi? Il n'y a même pas de nom, il n'y a rien. JCT1. Les P1, ça devrait pas te plaire plus que ça, très centré sur les médiums. Mais en revanche, ils sont très dynamiques. Après, ça dépend du rendu en fait. Moi, je me rends compte que personnellement, je suis ouvert à beaucoup de signatures, mais c'est le rendu qui va faire que j'ai plus ou moins apprécié. Donc après, ça peut dépendre beaucoup de ça. C'est-à-dire que je peux avoir un rendu qui va être très neutre ou peut-être plus centré sur les médiums, mais si le rendu est bon, enfin si la signature est plus centrée médium mais que le rendu est appréciable, je peux très bien les apprécier. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Nobsorn Ifi. Ah, il a la classe, lui. On a plusieurs choses en plus. Duke Audio. Blue Orange. Ça, ce serait marrant à tester.
Surtout avec le côté lampe, parce qu'apparemment c'est super bien en termes de qualité sonore. Ce serait vraiment cool à tester, je pense. Puis ce serait joli. Celui-là, il est joli en plus. Donc, je pense pas en prendre un tout de suite, mais un jour, qui sait? On peut gérer ça. Les amplis à lampe, en général, c'est pas une règle, mais bon. Ça donne un son plus chaleureux, analogique que les amplis à transistor, et ça donne un espace aussi plus grand. Faudrait que je vois. Bah tiens, je vais mettre ça de côté. C'était quoi que j'avais vu? Alors, architecture, USB, classique. aptX low latency, ça c'est cool. Un classique 47 headphone, ample architecture, can drive 300 ohms headphone. Ok. On peut mettre facilement du USB, ok, ça va être de l'optique, j'imagine. Sortie. On peut les mettre forcément oui, sur des. Ah, Bluetooth antenne. Ah oui, il y a même une antenne Bluetooth. Okay. Ah oui, non, ok, c'est l'antenne Bluetooth. C'est pour ça pourrait être cool, tu vois. Je mets mon téléphone, je mets ça sur le côté. Je sais pas où. Je sais pas où je pourrais les mettre. Et bah, je me connecte facilement. Et franchement, ça peut être cool. Ça peut être carrément cool. Enfin, je me dis que ça peut être sympa à tester. Et tu vois, si je prends un truc comme ça, tu vois, tout con, mais même en termes de design, tu fais des vidéos, tu prends avec ça à côté, ça c'est un certain style, c'est une certaine classe. Mais pour avoir un bon rendu avec un ampli à tube, il faut y mettre un minimum. Ah. Ça après, bah après les amplis à tube, les tubes, tu peux les changer au pire. Enfin, on peut les changer. Ça après, ça peut être marrant de regarder quand on change l'impact que ça a, tout ça. Je me dis que peut-être pas pour cette année, mais plus pour l'année prochaine, ça peut être sympathique. Parce que y a un petit truc à faire, y a un petit truc à découvrir. J'aime beaucoup la classe de ces trucs-là. J'aime bien le côté un poil rétro, mais pas trop, et ce design ultra classe qui en ressort. Ce serait bien. C'est un jour, ce serait bien que je m'y intéresse. Je pense pas que ce sera tout de suite, mais j'aimerais bien. Puis le côté Bluetooth, ce serait pratique parce que j'aurais directement depuis le téléphone. Ça pourrait être cool. Puis bon. Eh, qu'est-ce que c'est de mettre 18 000 euros dans un truc? C'est quoi ça? Oh la vache! Oh le truc, c'est énorme! Alors, il y a plusieurs sorties, ah oui, une grosse alimentation forcément. C'est pas très très classe avec ces trucs-là. Oh, l'ampli de bâtard. Vache. Enfin bref, merci d'être. Je vais sûrement aller voir du côté de chez Xio. Ouais, je vais. Alors, ah, merde. Fais chier. Tu fais chier, je vais regarder. Xio. Il y a même un truc pour changer les batteries des Xio. 2017, le X20, ça a l'air d'être quelque chose. Ok, je voulais prendre le X-Duo d'ailleurs, les petits DAC X23, XQ25, ça pourrait être sympa aussi. Ah, ils ont sorti aussi des petits types C X-Duo. TA10 et TA20. On va mettre TA20, on va prendre le plus haut. S'il veut bien. T'as dit s'il veut pas. X10T, mais c'est pas Thalys. Non. Et j'avais vu celui-là déjà, mais je crois qu'il date un peu. D'accord, avec un 2018, ok, Super D50, 76. Ça a l'air sympa en tout cas. Phone, Line, Balance, ok. OPA 16-12, ok. Oh t'inquiète, hein, c'est aussi moi qui suis trop curieux. Celui-là en fait c'est le truc que j'aimerais bien, en plus il a un 9118, ça peut être sympa à comparer face au Geode Audio par exemple. C'est un ampli à tube, ah ok. Ça peut être sympa, voilà. J'aimerais bien tester pour plus tard avec de l'aptX tout ça, ça a l'air d'être assez cool aussi. Et t'as le USB-C qui est là, mais c'est un gros truc. Et je sais, ah oui il a un 9118 aussi.
Donc ça peut être sympa aussi à tester. Le battery design, okay, il est assez gros. Par contre, il y a le PlayPo, c'est bien pour avoir le côté sans débrouiller son téléphone. Il y a les trucs là. T'as 20, n'en a pas, mais c'est du XLR. Ah oui, du XLR, ok. Alors attends, je vais remettre X Duo TA10. Alors, quand je mets X Duo TA20, il ne se trouve rien, et quand je mets le TA10, il sort le TA20. C'est complètement con. C'est complètement con. 300 euros, putain la vache. Là pour le coup, c'est trop somme en termes de design, tu vois, c'est trop. Putain, ouais, les sorties que ça a l'air. C'est trop sobre en fait. J'aime bien le côté un petit peu bois, métal, un petit peu ce petit mélange. Là, c'est très très sobre. Après, bon, c'est très bien, c'est possible aussi. Va falloir que je m'intéresse. Je prendrais, je pense, dans un coin le TA10. Un DAC et le TA20, on n'en a pas, mais c'est là, ouais. Ok. Ok. Bref, sur ce, je vais arrêter là. La logique de leur moteur de recherche sur PC, il est horrible. Sur smartphone, il est plus efficace que sur PC. C'est complètement con. Ce qui fait qu'en tout cas, voilà, bah merci en tout cas pour cette soirée, pour ce premier live. Vous avez été nombreux. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, surtout, bah, je vous dis normalement à la semaine prochaine pour parler beaucoup plus du CES, qui va être intéressant. Et pour parler d'un petit peu toutes ces nouveautés, je sais pas ce que j'aurai d'autre par la suite qui va arriver, mais j'ai hâte. Et puis je verrai aussi un peu plus tard, hein, ce sera pas pour cette semaine, mais un peu plus tard pour m'intéresser avec son vidéo pour faire un partenariat et tester 2-3 trucs chez eux. Ça pourrait être bien cool. Et voir aussi, alors il y a Ifigo aussi. Ifigo, j'ai eu un premier contact avec eux et voir si je peux retester, voir tester des trucs chez eux parce qu'ils ont pas mal de trucs divers et variés, autant dans le côté un petit peu chinois pas cher comme des gros trucs. Donc je me dis que ça peut être cool, ce serait à tester. Désolé pour le flou sur Telegram. T'inquiète, hein, moi la plupart de mes groupes sont en comment en muet, tout simplement parce que sinon je pourrais pas tout gérer. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, hein. Je sais que j'ai l'habitude avec toi, donc t'inquiète pas. non, je bosse pas demain. Demain, ça va être, de toute façon, ça va être repos. Je bosse mais bientôt, je vais reprendre ce. Cette idée de travailler du lundi au vendredi, donc je pense que je terminerai à l'avenir un peu plus tôt mes lives. Tout simplement. Ça devrait être un peu plus tôt par la suite. Mais enfin, voilà. Pour l'instant, c'est du samedi, donc ce qui fait que j'ai bossé forcément hier. Et je bosse donc forcément pas demain. Enfin, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. Et merci, puis ben à la prochaine, et puis ben on se voit pour les prochains tests qui reviennent cette semaine, et vous pourrez nos 2Z en fin de semaine. Les UFO Heures, ça devrait être les premiers arrivés. Ça devrait dépendre, je ne sais pas quelle flemme j'aurai ou quoi que ce soit. Quoique j'ai toujours pas fait le montage de l'autre, donc je pense que l'Oppo Reno ce sera pour mardi. Les UFO Heures par la suite, et il y aura les Audio Technica qui arriveront ensuite. Voilà un peu le programme pour cette semaine. Sur ce, bonne soirée à tous, et à la prochaine. Ciao!
Thank you.